À Carrières sous Poissy, dans les Yvelines, Stéphane Plaza va voler au secours de deux fans de disco. Bon, là. Hey, je suis mis en tenue, hein. Bon, t'es un ange qui arrive, là. Laurence et Jean-Marc n'ont pas eu le temps ni les moyens de bien entretenir leur maison, alors nos experts vont les accompagner dans cette vente. Il y a des travaux un peu partout. Effectivement. Pour les aider à réaliser leur rêve de partir s'installer au Portugal. C'est plus chez nous, c'est magnifique. Ailleurs, dans l'Essonne, Stéphane Plaza va tomber sur un cas inédit. Avec Emmanuel Rivassou, ils vont devoir transformer pour la vente une véritable ménagerie. L'appartement d'Aurélie et Alexis. Non, il n'y en a pas quatre là. Hein. Je t'ai dit que j'étais en élevage. Ça ne me dérange pas, mais ça prend aux narines. Hein. Ça peut déranger. Nos experts ne vont rien laisser au hasard. Quand on laisse une pièce de rangement ouverte, il faut qu'elle soit lookée. Oui. On va peindre dans la même couleur tous les murs et le plafond. Pour redonner à cet appartement le charme qui séduira à coup sûr les visiteurs. Ah, oh, ouais, ouais. J'arrive à Carrières sous Poissy, dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres du centre de la capitale. Cette petite ville moderne, lovée dans une boucle de la Seine, offre à ses 17 000 habitants des paysages très divers. Des carrières de calcaire, des bords de Seine verdoyants et l'île de la Dérivation, une île artificielle habitée et créée lors de la construction d'une écluse. C'est pas beau, ça ? Oh, oh. La gare la plus proche est celle de Poissy, desservie par le RER A et par le Transilien également. Ici, on est à quelques encablures de la capitale, mais avec des airs de campagne. C'est ça qui est beau. Et là, j'ai rendez-vous avec Laurence et Jean-Marc, qui habitent cette maison depuis 25 ans et qui ont le désir d'aller habiter au Portugal. Viva Portugal! Ici, on a du mal à s'imaginer qu'on n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la capitale. C'est dans ce cadre très bucolique des bords de Seine de Carrières sous Poissy que nous retrouvons Jean-Marc, 65 ans, documentaliste à la retraite, et sa femme Laurence, 57 ans. Ça ne mord pas beaucoup quand même. Hein. C'est long, c'est long. La pêche n'est pas miraculeuse. Mais c'est peut-être parce que je fais trop de bruit que les poissons ne viennent pas, c'est ça ? Je parle de trop ? Je sais, c'est ce que tu me dis tout le temps. La concentration n'est pas au rendez-vous avec toi. Laurence est à la retraite depuis seulement 5 mois. Alors, cette ancienne aide-soignante de nuit se réjouit de pouvoir maintenant accompagner son mari à la pêche. Ça fait pas trop plaisir à mon mari parce qu'avant c'était le silence. Mais je l'adore, je l'adore. Qu'est-ce que je ferais sans elle ? Je serais malheureux. Et ça fait 31 ans que ça dure, mon cœur. Ces deux amoureux se sont rencontrés en boîte de nuit où Jean-Marc, passionné de disco, n'était autre que le DJ. C'est l'amour de ma vie. Je ne le savais pas au début quand on s'est rencontrés, parce que c'est vrai, rencontrer quelqu'un en discothèque, on se dit que ça va pas être super sérieux. Et pourtant, très vite, trois beaux enfants sont venus concrétiser cet amour. Nathan a aujourd'hui 25 ans, il vit au Canada. Aurélie et Adeline ont, elles, 28 et 31 ans et habitent la région parisienne. Coucou mon ange, ça va ? Ouais, bien. Laurence est déjà grand-mère trois fois et Adeline, sa benjamine, est fraîchement maman d'une petite Victoria de quelques jours. Maman, c'est Mamie Lolo. Et donc, Mamie Lolo, c'est une mamie extraordinaire, franchement. Je pense qu'on ne peut pas rêver de mieux pour une mamie. Elle est exceptionnelle comme vous, franchement. Oh, ça me touche. C'est ma raison de vivre. Mes enfants, et maintenant, par extension, mes petits-enfants. C'est très important. Si Laurence adore pouponner,
Jean-Marc, lui, consacre le plus clair de son temps à sa passion, le modélisme. Trois fois champion du monde de maquette navale, il a eu la chance de pouvoir collaborer avec son idole. Une revue spécialisée dans les maquettes navales, eh bien, on fait un article de 12 pages sur moi. Et 48 heures après, j'avais le commandant Cousteau au téléphone qui m'a demandé de venir. Jean-Marc s'est réfugié dans le modélisme il y a 40 ans, après le décès de sa fille de 5 ans, Céline, qu'il avait eue avant de connaître Laurence. Comme je ne voulais pas sombrer dans la folie, je me suis dit, je vais faire des maquettes. Aujourd'hui, elle me manque encore. Et donc, quand je travaille sur les maquettes, elle est toujours là pour m'aider. J'ai une petite étoile là-haut qui me protège. Accaparés par leur famille et leur métier, Jean-Marc et Laurence ont passé 25 ans dans cette maison sans avoir le temps ni les moyens de l'entretenir régulièrement. Maintenant qu'ils sont à la retraite, ils rêvent de se reposer au soleil. On a un beau projet, on voudrait partir au Portugal, dans le sud du Portugal, pour la mer, le soleil et une certaine douceur de vivre qu'on n'a pas dans la région parisienne. Et puis moi, en tant qu'ancien DJ de discothèque, j'aimerais bien amener le disco à la place du fado. Attention, le Portugal, les Frenchies arrivent avec le disco. À nous la belle vie, chérie. Oh là là là. Mais avant de danser sur les plages portugaises, il va falloir mettre en vente cette maison. À vendre, maison de 83 mètres carrés Loi Carrez sur 3 niveaux. 3 chambres, une salle de bain, comble aménagé, petite terrasse à l'abri des regards, prix de vente à définir. Fervent admirateur du style disco, Stéphane Plaza n'a donc pas hésité une seconde à répondre à l'appel de Jean-Marc et Laurence. Ils découvrent donc leur quartier dit Apollonia, qui est un quartier prisé des familles pour son calme et ses écoles, et où ils ont en effet beaucoup aimé élever leurs trois enfants. Bonjour, bonjour, comment ça va, Stéphane? J'ai l'impression que t'es heureuse de me voir, bah bien. Faisons-moi un hug. T'es pas grande, hein? Oh non, j'ai oublié de manger la soupe. Hey, je me suis mis en tenue, hein? Ah oui, attends. T'es un ange qui arrive là. Alors, c'est assez joli par là. Hein. Ah oui, c'est très mignon, joli. Le petit quartier. C'est joli, ça, ce quartier-là. Alors, pour bien comprendre, donc, vous êtes là depuis combien de temps? Pourquoi vous voulez partir? Expliquez-moi tout. D'accord, alors on est là depuis 25 ans. Le projet, donc, c'est de déménager et de partir dans le sud du Portugal. Voilà. Mais pourquoi le Portugal? Parce que la mer, les embruns, le soleil. Tout et ça. Avoir un coin sympa, surtout moi, pour accueillir après mes petits-enfants, parce que nous sommes grands-parents. Ah, bon. Le projet de partir au Portugal est donc très clair dans leur tête. Mais avant, il faut vendre cette maison. Et on en est loin. Notre couple est perdu sur ce sujet. Vous êtes renseigné un peu sur les prix? Pas du tout. On ne sait pas du tout le prix au mètre carré. Ici, actuellement, je n'en sais absolument rien. Donc, oui. Notre projet futur, on ne le fait pas en extrapolant un prix. Donc, on est là-dessus, on est bien au clair. Donc, et on te fait totalement confiance. Je voulais te poser une question, là. Je te regarde depuis tout à l'heure, là, avec ton petit t-shirt disco. J'ai l'impression que t'aimes bien un petit peu Franck Dubosc, toi, non? Je veux dire, un peu les séries. Non, je m'appelle pas Patrick Chirac. Non, mais j'aime bien, j'ai le même t-shirt. Et pour t'avouer, c'est la première fois que je le mets, parce que je suis DJ et spécialisé dans le disco. Pardon. Tu commences à être moins sympathique, là, d'un seul coup. J'essaie de comprendre. Oui. Et quand Jean-Marc commence à évoquer ses passions... J'ai été 3 fois champion du monde de maquette navale. Et c'est l'homme à tout faire. Par contre, l'homme à tout faire, mais pas le bricolage. Je sens que je vais pas m'ennuyer. Hein. Voilà. Cette visite prometteuse commence par le séjour de 20 mètres carrés, accessible par un long couloir de 5 mètres carrés, qui dessert aussi la cuisine. On voit très bien comment ça a été conçu. Voilà, on a une perte de place flagrante ici. Et après, on se trouve effectivement sur un séjour qui n'est pas très grand. Il doit peut-être faire 20 mètres carrés plus 5 mètres carrés l'entrée. Donc c'est un peu petit. Outre l'agencement de ce rez-de-chaussée qui n'est pas idéal pour une maison familiale de 3 chambres, Stéphane émet aussi quelques réserves sur la décoration de ce salon.
Je ne sais pas qui a choisi cette petite déco un petit peu de ce côté-là, là, mais c'est peut-être pas de meilleur goût. Alors, ouais, c'est moi. Oui, c'est-à-dire, ouais. J'ai fait ça avec ma fille aînée. On voulait délimiter le coin salle à manger. Pardon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non. Enfin, bon, c'est pour ça qu'il nous faut aussi quelqu'un pour la déco, tu vois, Stéphane. Oui, oui. Hein, parce que, franchement, je ne suis pas championne du monde de la déco. Donc si je comprends bien, donc pour la vente, vous êtes pas vraiment là. Non. Pour la déco, vous n'êtes pas vraiment là. Non. Et pour le bricolage, vous n'êtes pas vraiment là. Bon, en clair, dis-nous où on est là, ça ira plus vite. Nulle part. Et rien que dans cette pièce, c'est un festival de petits détails qu'il va falloir régler si l'on veut séduire les visiteurs. On a une lampe qui est un peu déchirée. Donc là, bah forcément, on voit ça. On a un petit problème avec le diagnostic électrique. Alors, le pompon du pompon. Oui. Bah voilà, les gars. Oui, oui. Ah, ça, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est Hector et Octave. Oui, c'est des chiens. Non, c'est mes deux cactus qui sont au bout là-bas. Ça commence à piquer pour notre agent. Heureusement, il s'offre un peu de répit sur la jolie terrasse de 29 mètres carrés. Ah, ça, j'aime bien. Ah. On a le soleil, c'est bien explosé. On a un peu de vis-à-vis ici, mais on est quand même sur quelque chose d'agréable. L'accalmie est de courte durée. La cuisine de 7 mètres carrés est petite, sombre et de surcroît, restée dans son jus. La cuisine, il faut la moderniser. Le sol en vinyle a un petit peu reçu. On a brûlé un peu des meubles. C'est l'ancien four. On voit bien que l'ancien four a un peu abîmé les choses. Et les choses à réparer s'accumulent. Alors, t'appuie pas surtout, Stéphane. Pourquoi ? Oh là 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 ! Dans les toilettes du rez-de-chaussée, c'est bien simple, tout est cassé. Ça ne fonctionne pas. Il est cassé, si tu touches, là, t'en as un geyser. Ah, il existe, dans notre vie qui est bien faite au XXe siècle, des gens qui s'appellent des plombiers. Oui. Ces plombiers réparent les fuites d'eau. Ça s'appelle de l'entretien. Et si vous n'entretenez pas, vous perdez de l'argent. Je dis non, c'est baissé. Et alors, bon, bah, l'abattant, hein, il est cassé, d'accord, hein. Au premier étage, l'acheteur voit encore son enveloppe travaux augmenter. Sur le palier qui dessert les trois chambres et la salle de bain, les murs sont bruts et le sol usé par le temps. Comment on peut laisser cette maison comme ça à l'abandon? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 25 ans, ben, on a consacré tout notre argent sur nos enfants, sur leur éducation, leurs études. Ça, c'est beau. Et t'as tout à fait raison. Elle a besoin de toi. Là, vraiment, c'est... Bon. Alors, je vous trouve humain, sensible, et ça me touche. Mais on perd quand même de l'argent. De temps en temps, il faut quand même se dire, ben, là, pardon... Désolée. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est rien. Oh, bah non, bah non. Mais t'as rien fait, t'as rien fait, c'est pas grave. Mais non, mais je suis là pour t'aider. Elle est tellement moche. Mais non, elle n'est pas moche. La maison, elle n'est pas moche. La maison, elle n'est pas entretenue. Et qu'au bout d'un moment... T'as pas fini, parce que t'as pas fini les pièces. Je suis là pour t'aider, je suis content d'être là. Mais je suis obligé de te dire les choses. Voilà. Eh ben, on y va maintenant. C'est parti. Allez. La première des trois chambres est à l'image du palier. Il faut tout reprendre. On a de la peinture à faire, je vais en avoir du boudoir, de la peinture, de la moquette à enlever. Ici, j'ai quand même une machine, il n'y a pas de raison. Là... C'est un cabinet de toilette. Coin douche. Oui. Si cette salle d'eau est sur le papier un atout pour la vente, l'acheteur ne pourra ni se doucher, ni se laver les mains. Comme en bas, les robinets ne fonctionnent pas. Bon, on va dire que l'état n'est pas terrible. Non. Alors. L'unique salle de bain de la maison ne fera pas non plus rêver l'acheteur potentiel. Là, il faut une suspension, sinon diagnostic électrique, anomalie électrique, ça fait peur à tout le monde. Non-vente. Bah, non-vente, je ne sais pas, mais négociation sur le prix, ou alors on passe à une autre maison. D'accord. L'inquiétude de Stéphane grandit, mais dans la chambre de leur fils, parti vivre au Canada, et dans leur chambre parentale, il reprend espoir. Ah là, c'est bien, c'est beau, c'est grand, c'est lumineux, c'est traversant. Oui, il faut enlever les maquettes, il faut épurer, ranger un peu le bureau et on aura une belle vente. Tout à fait. On va la mettre en harmonie. On va la mettre en harmonie. Voilà. Hein, à ne pas confondre. Pas mal le mot, là. On va la mettre en harmonie, ça te plaît, toi, ça. Hein. Au dernier niveau, Jean-Marc et Laurence ont réalisé des travaux pour aménager les combles. À l'époque, ils ont fait le choix de cloisonner pour pouvoir loger deux de leurs enfants. C'est petit, hein? Oui, c'est petit. Oh là là, fais voir, c'est très, très, très petit. Une chambre ici, c'est...
La visite est terminée et Stéphane va sans tarder se renseigner sur le marché immobilier de Carrières sous Poissy pour aider le couple à fixer son prix. Jean-Marc et Laurence veulent acheter au Portugal pour une retraite plus douce. Attention, chaque pays a ses particularités fiscales et réglementaires. Au Portugal, avant toute chose, vous devez décrocher votre numéro d'identification fiscale. C'est le SESAM. Sans lui, ni prêt bancaire, ni achat de voiture ou achat immobilier. Il s'obtient sur place dans un guichet de l'autorité fiscale. Ensuite, il est impératif de prendre un avocat spécialisé. Au Portugal, le notaire a moins de compétences qu'en France et c'est à vous de vérifier les papiers. Sachez par exemple que si le vendeur a des dettes de type hypothèque, elles deviennent à la charge de l'acheteur. Autre différence de taille, si vous renoncez au bien après la signature du compromis d'achat, vous perdez votre acompte. Dernière chose, si vous prenez une location le temps de trouver votre perle rare, ne prenez jamais un logement sans contrat sous peine d'arnaque. Il faut aussi plancher sur les transformations qui vont décider les acheteurs. Et le chef d'orchestre de cette partie, ce sera Sophie Ferjani. C'est très joli, des petites roses trémières, il y a des belles lavandes. Elle vient donc aujourd'hui repérer la maison et l'étendue des dégâts. C'est assez chic, hein. Si l'emplacement de la maison est un atout indéniable pour la vente, à l'intérieur, il y a du boulot. Et ça fait une grosse masse sombre aussi. Notre architecte devra d'abord s'atteler à la problématique du salon, trop petit pour séduire une famille. Si je peux avoir une pièce de vie un peu plus que 20 mètres carrés, j'en suis ravi. À l'étage, il va falloir déclencher un coup de cœur chez le visiteur. Il y a des travaux un peu partout. Effectivement. Alors, Sophie va devoir redonner de la personnalité à toutes les chambres. Donc là, on est bien. Grande chambre. Espérons que la fougue du disco rythme avec autant d'entrain les futures transformations. Quelques jours plus tard, Stéphane a repris son souffle et Sophie terminait son projet. C'est sous un soleil caniculaire qu'ils arrivent à Carrières sous Poissy. C'est quand même très joli toutes ces façades. Ah bah oui, oui. Ah, c'est là, tiens, dis donc. C'est là. Ah. Bonjour. Bonjour. Dans cette maison, il y a beaucoup de réparations à faire, ce qui va forcément amputer le budget. Nos experts ont donc décidé de se concentrer sur les pièces déterminantes pour la vente. Pour une maison de 83 mètres carrés environ en Loire-Carrez, d'avoir 3 chambres au premier étage, pour nous c'est suffisant. Donc on a pris la décision de ne pas toucher au comble parce qu'en fait on explosait le budget. D'accord. Même si Stéphane aurait préféré un autre agencement, ces combles seront présentés comme un plus pour la vente. Sophie, elle, a repensé le rez-de-chaussée. On a une belle pièce à vivre, un beau séjour qui est tout en longueur, mais nous on aime bien l'idée. Et on va casser la cloison qui sépare la cuisine du séjour pour avoir une pièce à vivre plus actuelle, avec une cuisine ouverte. La perspective dans la pièce, en rentrant, va complètement changer. Il y aura désormais 26 mètres carrés exploitables. Superbe, ça donne. Ah oui, c'est vrai que ça agrandit énormément la pièce. Félicitations. T'as pas encore tout vu, mais impressionné. Merci. On va redélimiter finalement l'espace cuisine par le sol, mais on n'aura plus de cloison. Sophie va investir dans un îlot central. Et en revanche, elle va repeindre les meubles existants pour faire des économies. Parfait. Ah oui, très bien. On a hâte de voir la suite. Ah, ben, justement. Alors, la suite, justement, c'est la vue dans l'autre sens, pour bien comprendre maintenant, vue depuis les baies vitrées. La pièce sera redécorée dans un style contemporain chic, avec par exemple une table ronde en chêne. Ronde parce que c'est plus convivial, ça prend finalement moins de place dans votre volume à vous. Le rond, c'est la douceur. Voilà. Oui. Donc, c'est toi la preuve. Je sais faire des compliments. Oui. Là, vous découvrez le vaisselier de la cuisine que je viens remettre sur ce mur. Mm-hmm. Du coup, je délimite vraiment mon espace salle à manger. Et ensuite, on met un nouveau canapé avec deux fauteuils tournés vers l'extérieur, qui est aussi une pièce supplémentaire qu'on ne va pas rénover puisqu'elle est parfaite pour nous. D'accord. Très bien. On va monter. C'est magnifique. Ah, c'est sûr, ça change de notre meuble actuel.
On va vraiment anoblir cette salle de bain avec différentes astuces. D'abord, un sol vinyle impression carreau de ciment. On va appliquer sur les murs un béton ciré, très élégant et très actuel. Même si on sera blanc sur blanc, en fait, on lira une belle matière et on verra que c'est chic. Une petite robinetterie en laiton, des petites touches de laiton aussi sur le miroir, le petit éclairage, une nouvelle colonne de douche, c'est 100 €, mais tout de suite ça fait propre, ça fait neuf. Une paroi de douche, et du coup la salle de bain sera impeccable. Voilà, c'est magnifique. Mais on n'a pas la double vasque, Stéphane ? Bah non, ça ne rentrait donc pas. Donc on ne va pas avoir le petit cri de guerre ? Non, 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 mais toi, tu auras tellement d'autres choses. J'ai hâte. Oui, je sais. Dans la pièce débarras, Sophie va désormais suggérer une chambre chaleureuse grâce notamment à la présence du bois sur les portes de placard. Au sol, pour redonner un peu de style, un vinyle façon parquet. Pour donner un peu plus de valeur, de classe à votre maison et justifier un prix aussi. Exactement. Joli, hein. C'est magnifique. Ici, sur ce grand mur, on vient appliquer un papier peint panoramique pour donner vraiment cette touche poétique. Les petits oiseaux qui migrent vers le Portugal. Par-dessus l'étang, les oies sauvages, c'est ça? Tu chantes comme ça. Non, parce que la chanson est belle à la base. Mais quand toi, tu la chantes, il est meilleur disjockey, non? Oui, il a plein d'autres talents. Pour ne pas laisser indifférents les visiteurs, la chambre du couple va gagner en personnalité avec une teinte lumineuse. C'est bien, mais c'est jaune, hein. C'est très très jaune, mais bon. Vendre aussi et faire du homesteading, c'est pas faire une maison témoin. Hein. Donc là, c'est pas total look jaune quand même, sinon là, ça serait plus embêtant pour vendre. Sophie utilisera le jaune uniquement sur les pans de mur qui encadrent le lit. Je viens nicher mon lit, comme ça, devant un petit papier peint, et je fais tout le cadre en jaune. On sera dans une petite boîte très confortante. Mmh. Ça met en valeur le volume de la maison, et en plus, ça donne du style. D'accord. Oui. Parfait. Un petit cocon. Un petit cocon. On a hâte. On a hâte ? Ah oui. Très bien. Eh bien, on vous laisse un petit peu les dessins, et puis nous, on repart. Hein. On ne peut pas leur laisser des sûres, c'est évident. Allez, on y va par là. C'est pas grave si on griffe les murs. À Carrières sous Poissy, le soleil brille toujours. Une journée idéale pour déménager 25 ans de souvenirs et réviser ses classiques. Allez, allez, À l'intérieur, le répertoire musical est tout autre. Une fois n'est pas coutume, ce sont Jean-Marc et Laurence qui réservent une surprise à nos experts. Regarde le pas qui m'a rendu célèbre à Las Vegas. Le Portugal va être en effervescence. Je pense que le fado va en prendre un coup derrière la tête. Le dance floor, c'est tentant, mais pas pour le moment. Stéphane et Sophie sortent de la maison, tout ce qui part au garde-meuble, en attendant le Portugal. Attends. Bon, alors les chaises d'abord, t'as raison. Voilà, emmenons le plus facile. Attention. Faut s'économiser maintenant, tu sais. Oh bah. 15 ans, mon pote, on fait ça. 15 ans, ouais. Et pour épauler nos vieux déménageurs, Fabrice, le beau-frère, et François, le gendre de Laurence et Jean-Marc, viennent grossir les rangs. Allez-y, hein, rentrez les gars, on n'est pas là pour discuter. Hein. Vous avez loupé le du jockey, Jean-Marc. Sophie a prévu une table ronde, donc il faut sortir l'ancienne. Attends, mais monsieur, moi je suis dans le pas le bon sens, je prends les genoux dans un attends. Ah oui, Stéphane, c'est embêtant les genoux. Posez, inversé. Voilà. C'est pareil. Sophie, je vais emballer. Notre expert bascule sur l'emballage, mais ce n'est guère mieux. Il aurait fallu l'adhésif. C'est un petit jeu, super. À l'étage, l'autre équipe est plus efficace. Allez les garçons. La chambre débarras est désencombrée en un rien de temps. Hop. Autre pièce qui doit faire place nette, la chambre de Jean-Marc, remplie de jolies maquettes réalisées en mémoire de sa fille disparue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une maquette, t'as l'impression que tu partages encore des choses avec elle. Tout à fait. Tout à fait. Je repense à elle. Et à ce moment, peu de temps avant qu'elle tombe malade. Et pour remercier Stéphane de l'aider à réaliser son rêve, Jean-Marc lui fait un cadeau très symbolique.
C'est une barge, ah, une barge fluviale hollandaise. Oui, merci, hein. Merci. Et puis courage, hein. Oui. Comme quoi, tu vois, ouais. Derrière un, hein, ouais. Les sourires et tout, ça peut se cacher les choses, hein. J'ai eu une vie bien remplie. Bon, écoute, alors je vais en prendre soin, mais alors comme la prunelle, même pas de mes yeux, de ses yeux, et je vais te laisser envelopper, moi je vais ranger tout de suite celle-ci. Très bien. Pendant que Stéphane et Jean-Marc emballent minutieusement les maquettes... Ça, j'ai peut-être prévu un peu petit, non? Fais voir. Non, c'est parfait, tu vois, rien. Hop. En bas, Sophie et Laurence vident le vaisselier de la cuisine qui va changer de place. C'est parti, mon kiki. Ouais. Alors, comme ton vaisselier est très transparent, je vais garder que la vaisselle très contemporaine, blanche, sobre. Même si dans la vraie vie, moi, c'est plus mon style, les trucs à l'ancienne, j'adore. Bah, écoute, ça tombe bien parce que bah, je vais te l'offrir. Oh, mais voilà. Non, bah, mais vous n'allez pas nous offrir avec Jean-Marc. Ah si. Moi, ça me fait trop plaisir que tu aies un souvenir de nous. Alors, tu partiras avec ces 6 bols. Décidément, la générosité est une affaire de famille. Ça me fait trop plaisir. Vous êtes des amours, ouais. Tous les deux. Autre action dans cette maison, la plupart des sols seront changés. Alors, on anticipe et on retire les vieilles moquettes. Elle va pas me résister. Bravo. Oh, bon, oui. Regarde. Attends, là, Jean-Marc. Tiens, j'ai trouvé une figurine de John Wayne. Non, mais garde-la. Tu penseras à moi, garde-la. Non, mais des plumes en bas de là. Non, mais il donne tout comme ça. Tout. Il est tellement heureux que tu sois là. Ah bah oui. J'ai pas envie de rajouter pour la vente. Hein. Ah voilà. Il a retrouvé Lara Croft. Pardon Jean-Marc. C'est-à-dire que si j'accepte rien, tu vas venir toutes les 30 secondes. Oui. Bon bah écoute, tu me la mets de côté. Merci. C'est Jean-Marc. Promis. La journée est loin d'être terminée. Mais avec la motivation et la bonne humeur de chacun. Fais gaffe, c'est hyper lourd. En fin de journée, la maison est prête pour les travaux. Aujourd'hui, c'est le jour des travaux. Jean-Marc, Laurence, vêtue de sa plus belle tenue d'aide-soignante... T'es drôlement belle, Laurence. Et Sophie arrive de bon matin. Seul, notre agent immobilier préféré manque à l'appel, mais il a une bonne raison. Bon, les copains, aujourd'hui, Stéphane ne sera pas là. Nous, on a beaucoup de travail, surtout lui en tant qu'agent immobilier, pour faire les estimations. Il est parti dans les agences, se renseigner, étudier le marché. Mais j'ai appelé des amis pour nous aider. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On va avoir du renfort. Et pas n'importe lequel. Sophie a fait appel à une institution traditionnelle d'apprentissage et de formation, le compagnonnage. Pour cette maison très abîmée, elle a besoin de professionnels méticuleux. Son collaborateur et ami, Rocco. Rocco, oh, le meilleur. Bonjour. Est aussi venu pour superviser les transformations. Je vous présente Lolita. Donc Lolita, bonjour. Qui est en formation chez les Compagnons du Tour de France. La classe. À chacun son expertise. Pour Lolita, c'est la peinture. Elle va s'attaquer aux meubles de cuisine abîmés. Pour cela, elle a préalablement retiré le plaquage des portes pour appliquer la résine directement sur le bois composite. Eh bien voilà, une résine bicomposant à l'eau, contact alimentaire. Donc pour une cuisine, c'est quand même bien. Et la revue des troupes continue. À l'étage, c'est Erasmo, un autre compagnon, qui est à pied d'œuvre dans la salle de bain. Il est déjà au travail. Il est peintre, maître, vitrailliste. Ça fait combien d'années, là, tu étais compagnon? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Mais on est apprenti toute sa vie. Hein. Donc là, on est entre deux bonnes mains et j'ai l'impression de retourner à l'école puisque j'ai un maître avec moi. Pour rendre cette salle de bain cossue, Sophie a opté pour un béton minéral sur les murs, façon béton ciré. Avant de l'appliquer, il faut dégraisser et nettoyer les joints. Donc l'idée, c'est aller avec une pointe comme ça, sans trop appuyer. Alors on va venir, en fait, creuser les joints. Mais allez. Ça a l'air si facile. Mais c'est facile. Bon, allez. Donc je fais. Alors, on y va. Voilà, tranquille. Ta longueur, souple, sans trop creuser quand même. C'est nickel, impeccable. Après cette étape, il faut appliquer un primaire pour bien préparer le carrelage à recevoir le béton minéral. Et Jean-Marc met toujours du cœur à l'ouvrage. La cadence s'intensifie, tout le monde s'active. En bas, les portes sont entre deux bonnes mains. Hop, moi je
je fais le haut, toi tu fais le bas. Eh ben super, travail d'équipe. À l'étage, Sophie et François, le gendre de Jean-Marc et Laurence, remplacent les robinets en tartrait dans la salle d'eau. Ça va, François ? Au top, et toi ? Bah, parfait. Je suis en train de régler tes problèmes de robinet. C'est pas moi qui ai des problèmes de robinet, oh, dis donc ! Tu vois, le calcaire avait tout grippé, quoi. Il se lève plus, ce robinet. Je trouve que c'est vraiment pas grand-chose à faire. J'ai bien pensé à couper l'eau, quoi. Et pas se tromper dans le chaud et froid. Pas se tromper dans le chaud et froid et bien, bien laisser les joints en place. Ça, c'est le plus important. Ah, et c'est quand même mieux d'avoir de l'eau au robinet, non ? En home staging, il faut réparer bien sûr, mais il faut aussi charmer le visiteur. Alors Sophie rivalise d'astuces. Franck, je te présente Jean-Marc. Jean-Marc, Franck. Bonjour. Enchanté. Ah, ça c'est belle poignée de main. Notre architecte va anoblir ses portes de placard trop classiques. Franck, je travaille avec lui depuis des années et en fait, c'est un expert du bois et surtout du bois en fine épaisseur. Comment on appelle ça du coup ? Bon, c'est des plaquettes de parement. À l'origine, c'était utilisé pour les parquets flottants. Ouais. Et on a eu l'idée de mettre un adhésif au-dessus. Donc, du coup, on se retrouve avec du bois adhésivé, fine épaisseur, facile à transporter et pas très cher parce qu'on en a pour moins de 200 euros pour l'ensemble du placard. Voilà, tout à fait. Après la théorie, la pratique. Il faut d'abord retirer la première partie de l'adhésif pour bien fixer le bois sur la porte. Voilà, donc je positionne le premier contre là-bas. Il faut aller récupérer dessous la partie qui est là et on tire dessus. Impeccable, super. Oh, c'est magnifique. Voilà, et ainsi de suite. Magnifique. C'est une porte noble. Et après l'effort, le réconfort, dans la grande famille des compagnons, on demande Laurent et Baptiste, les pâtissiers, venus redonner de l'énergie à nos travailleurs. Mais vous avez combien d'années d'expérience pour faire ça ? Moi, j'ai 7 ans déjà d'années d'expérience. Et en fait, grâce au Tour de France, j'ai pu changer d'entreprise tous les ans. Oui. Et dès qu'on change d'entreprise, on voit de nouvelles choses, et donc voilà. Félicitations, c'est merci. Excellent. Merci. La clé de voûte du projet de Sophie, récupérer les mètres carrés perdus du couloir pour créer une grande pièce de réception avec une cuisine ouverte. Mais pour cela, il faut casser les cloisons. C'est Rocco qui prend les choses en main. Allez, ma Sophie. Ça y est, j'ai une fenêtre. Et sa méthode est aussi probante que la méthode américaine de Stéphane. Il y a encore beaucoup de transformations à réaliser, mais avec tout ce travail d'équipe autour de Sophie, saupoudrée d'une dose de disco, la maison va être prête à être mise en vente dans quelques jours. Sous les sonates des tropiques. Jean-Marc, très belle musique, mais dommage que vous sentiez fort. Je suis DJ, mais pas chanteur. Six jours plus tard, c'est toujours sous le soleil que Stéphane, accompagné de Jean-Marc et Laurence, arrive pour découvrir les transformations. Là, évidemment, rien n'a changé, hein. Ah bah si, quand même, la porte a été repeinte. Je le vois, oui. C'est vrai. Toute c'est belle. Vrai. N'oubliez pas que l'extérieur compte autant que l'intérieur. On a juste redonné un petit coup de peinture. Alors, on y va. Si cette petite action fait déjà son effet, à l'intérieur, la métamorphose est totale. C'est plus chez nous, chérie, c'est magnifique. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de recevoir autant de générosité, de belles choses comme ça. Bah c'est que tu le mérites. Et que vous le méritez. Qu'est-ce que vous voyez là ? Eh ben, un sentiment d'espace que je n'avais pas avant. En cassant deux petites cloisons, la pièce a gagné en luminosité et surtout, on a valorisé pour la vente les mètres carrés du couloir inutilisés. J'ai une vraie plus-value parce que je récupère des mètres carrés et je récupère aussi un volume correct de réception.
Et du coup, on a une très belle pièce avec un beau carrelage que vous aviez mis. Nous, on a complété avec un sol vinyle, sont des dalles autoplombantes hein, qu'on est venu poser ici. Donc, on est dans les 25 euros du mètre carré, c'est très raisonnable. Ici, j'ai à peu près 240 euros d'investissement pour créer cet îlot, entre le plan de travail, les meubles, les plinthes, etc. Tu veux dire que c'est un îlot sur mesure? Oui, je l'ai fait sur mesure, en fait, avec des meubles standards du commerce. Pour tenir son budget, Sophie a conservé tous les meubles de la cuisine. Elle les a repeints et rehaussés avec une crédence adhésive. Quand on fait du home staging, ce qui est important, c'est de réparer. Donc, le robinet cuisine est à neuf, 60 euros. Pour les robinets, t'es pas le plus doué. Il y a des petits problèmes de robinet dans cette maison. Ah. Hein. Donc, d'ailleurs, vous irez voir après, mais les toilettes ont aussi été réparées. Côté décoration, Sophie a jalonné les espaces de luminaires qu'elle a positionnés de façon stratégique, d'abord au-dessus de l'îlot central. Et si vous avancez, vous allez voir, on a mis les mêmes ici au-dessus de la table de salle à manger. Et comme la sortie de film n'était pas au bon endroit, c'est une petite astuce, vous avez vu, j'ai juste mis un joli cordon pour désaxer en fait le point lumineux. Dans l'espace salle à manger, Sophie a opté pour une décoration chic et contemporaine avec une table ronde en chêne à rallonge pour séduire les familles. Quatre chaises autour dans les 85 euros et j'ai déplacé le buffet qui était dans votre cuisine en face. Donc vraiment, ça marque l'espace salle à manger, vous voyez? Côté salon, Sophie a choisi avec soin le mobilier. On a quand même toujours un peu des rondeurs, hein, parce que ça séduit hein, la rondeur. Et ça séduit, puis quand on a un espace qui est assez anguleux, ça vient ramener justement de la douceur. Des petits fauteuils rondouillés à 150 euros, un joli tapis à 100 euros qui est tout rond aussi. Le lot des deux petites tables métallisées m'a coûté 200 euros et un nouveau canapé dans les 300 euros. Alors là, on a du contemporain chic, là on est au zénith. Bon, très bien. À l'extérieur, aucune dépense et pourtant la terrasse est encore plus accueillante. On a sorti tous ces petits fauteuils qui étaient cachés d'ailleurs sous les autres. On a étalé, pris de l'ampleur pour montrer en fait la taille quand même qui est très généreuse de cette belle terrasse. Si on regarde vraiment, on se rend compte qu'on peut repeindre les portes. On aura encore du travail à faire quand on va acheter, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas une vente. À l'étage, le palier a fait peau neuve. Les murs ont été peints, le sol changé et il dessert maintenant une salle de bain en parfait état. Est-ce que c'est beau? Effectivement. Alors? C'est magnifique avec cette douche magnifique et tout. Avec le béton ciré satiné blanc sur les murs, le vinyle impression carreau de ciment au sol et les touches de laiton, la pièce a gagné en élégance. On a une colonne de douche avec son mitigeur à 140 euros. Un nouveau robinet en laiton à 70 euros. Le meuble de salle de bain en soie avec la vasque coûte 185 euros. Et puis alors, je me vois bien. Un beau miroir rond, 55 euros, était très belle, Maurice. Ah, merci, mais je vois bien mes rides aussi. Ah oui, maintenant, il y a de la lumière, par contre, désolée. Je vais faire la queue maintenant pour arriver dans la salle de bain. Suite de la visite, dans la pièce débarras, qui est devenue une chambre aux accents poétiques et chaleureux, avec un papier peint panoramique au mur et des touches de matériaux nobles. On a du vrai bois ici, qu'on va retrouver en ping-pong dans nos petites tables de nuit. J'ai fait un jeu de tasseaux devant le mur pour amener un peu de profondeur, vous voyez. Un vinyle, impression bois. Il ne faut pas hésiter à mélanger les bois, c'est ce qui crée une belle atmosphère dans une pièce. Oh, bah, ça a changé. Oui. Oui, exactement. Le grille-pain a été remplacé par radiateur inertie qui va économiser l'énergie, 99 euros. Plus-value pour ta maison. En effet, nos experts savent que les acheteurs sont très sensibles aux questions d'économie d'énergie. Dans la salle d'eau, pas de grands investissements, mais tout a été réparé. 35 euros un petit robinet tout neuf. Un robinet qui marche. 70 euros la colonne de douche. Hein, ça marche maintenant. Et ensuite, tout simplement, c'est du linge. Et pour avoir cette continuité, cette idée de suite parentale, j'ai retiré la porte. C'est quand même plus fonctionnel. Et à la place, il y a un joli rideau. Bon. On adore l'idée. Bon, bah très bien. Alors, allons voir la chambre parentale. D'accord. Je
C'est magnifique, le design est splendide. C'est... L'idée ici, c'était de mettre en valeur ce volume. Donc, on a dessiné au plafond et en fond de pièce une sorte d'alcôve couleur moutarde. J'avais peur ce jaune au départ quand tu me l'avais montré sur les dessins. Et non, pas du tout, moutarde. Parce qu'effectivement, moutarde. Exactement. L'agencement pensé par Sophie tire aussi parti de la belle longueur de cette chambre. Ça, c'est un plan de travail de cuisine plaquage noyé qui m'a coûté 240 euros. Il y en a un seul que j'ai coupé déjà dans la largeur. Et ensuite, je l'ai fait slalomer sur le mur. Donc, c'est d'abord un espace bureau. Puis, c'est une petite table de nuit. Et avec la chute, j'ai refait une table de nuit de l'autre côté. Donc, on a du sur-mesure à partir d'une grande planche. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc ? C'est encore, oui. Ça va aller ? Oui, ça va parce que je me projette déjà au Portugal. Je pense que là, nous, on a tout fait pour que la maison elle soit prête à la vente. Je suis très fière d'avoir fait ça pour vous. Ah, c'est super gentil. Ah, c'est gentil. Ah, cool. Ouais, voilà. Vous êtes des gens adorables. Merci. Merci, mon Jean-Marc. Merci. Toi, t'es merci adorable. À vous. C'est bah, nous qui te remercions. Ne change rien. Moi, je ferme. Pour réparer et réenchanter cette maison, Sophie aura dépensé au total 7 200 euros. Ce montant ne tient pas compte des frais de main-d'œuvre. Avant de rédiger l'annonce immobilière, Stéphane doit encore fixer le prix de vente avec Jean-Marc et Laurence. Il a soigneusement étudié le marché de Carrières sous Poissy avant d'enclencher cette discussion. Je suis donc là pour estimer cette maison au meilleur prix. Et pour une fois, le homestaging a apporté de la valeur à un bien. C'est pas toujours le cas. Alors, j'étais parti sur un prix de vente de 295 000 euros à 300 000 euros. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu les mètres carrés que je pouvais récupérer, je me suis dit, allez, je pense que 315 000 euros net vendeur, faut le tenter. Mais peut-être que je vais vous appeler pour vous dire, je me suis enflammé. Ma sympathie pour vous m'a aussi perturbé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Totale confiance, donc il n'y a pas de souci. On te fait entièrement confiance. De toute façon, le prix, nous, on ne le connaissait pas. Jean-Marc et Laurence ont le projet de s'installer au Portugal. Alors, Stéphane leur propose de réaliser une vente longue. Il ne faut pas se précipiter, c'est pas si simple d'aller acheter au Portugal. Il faudra sans doute commencer par une location. Nous, on ne peut pas vous laisser vendre cette maison en 3 mois. C'est 6 mois ou 7 mois. Les autres agents immobiliers ne vont pas vous dire la même chose. Pourquoi ? Parce qu'un agent immobilier touche son argent à la vente définitive. Il préfère le toucher au bout de 3 mois qu'au bout de 6 mois. C'est humain aussi. Mais je vais tenir les rênes. D'accord ? Très bien. Un très grand merci. On a vécu une aventure humaine extraordinaire. Elle n'est pas terminée. Et tu ne vas pas me faire pleurer avant la vente. Prenez soin de cette maison et surtout de vous. Oui, maintenant on va penser un peu à nous. Pour anoblir cette maison, Sophie a cumulé les bonnes astuces, notamment sur les portes de placard. Si vous trouvez vos portes de placard un peu trop basiques ou datées, voici quelques astuces déco pour upgrader tout ça en 2 temps, 3 mouvements. La première chose à vérifier, c'est l'état des roulements. Malheureusement, avec les portes premier prix, c'est ce qui s'abîme le plus vite. Dans ce cas, je vous conseille de changer les portes. Si vous n'avez pas le budget pour acheter des portes, je vous conseille de remplacer par un rideau. Mon petit plus, les choisir dans une matière naturelle, comme du lin ou du coton. Cela protégera vos affaires de la poussière, comme l'auraient fait les portes, mais ça donnera un style un petit peu plus bohème. En revanche, si vos portes de placard sont encore en bon état, amusez-vous en décoration, vous pouvez les rhabiller. Premier exemple, vous pouvez les repeindre avec de la peinture qui adhère sur surface lisse, comme de la résine. Mais vous pouvez aussi les customiser avec du papier peint ou du rouleau de canage. Il suffit de choisir une colle adaptée pour ce support. Et pour ramener de la matière et faire de vos portes un élément chic de décoration, vous pouvez, comme je l'ai fait ici, les plaquer avec une fine couche de bois adhésif. Alors, vous vous lancez ? À vous de jouer ! Trois semaines plus tard à Carrières sous Poissy, le temps est plutôt maussade. Alors, Stéphane a décidé de mettre un peu de soleil dans sa tenue. Quand on sait que cette journée de visite est entre ses mains, il y a de quoi avoir quelques doutes. Oh merde! C'est pas au point ça encore.
Mais Laurence et Jean-Marc peuvent avoir confiance. C'est moi. Stéphane a beaucoup travaillé pour trier sur le volet les dossiers des acheteurs potentiels. On a des visites aujourd'hui. On a 4 visites non filmées, 2 visites filmées. C'est plus difficile que prévu parce que les banques ont serré la vis. Donc j'ai moins d'acheteurs potentiels que prévu. C'est pas gagné, mais j'y crois. Le couple aspire à déménager au Portugal, mais n'a pas encore trouvé son bien. Notre agent doit donc idéalement réaliser une vente longue en 6 mois. Donc il faut trouver un acheteur qui veut bien attendre 6 mois. Il a sélectionné les acheteurs en conséquence. Il y a d'abord Marjolaine, qui recherche une maison avec 3 chambres. Bonjour. Cette visite, elle est pour moi et mon compagnon. Ma maman m'accompagne aujourd'hui. Parce que c'est une super maman. Voilà. Romain et Mélanie, eux, visitent depuis 4 mois des maisons dans ce coin précisément. On recherche dans ce quartier qui est vraiment idéal pour nous parce que c'est aussi à proximité de Poissy qui a le RER A et la ligne J. Stéphane va devoir composer aujourd'hui avec des visiteurs surprenants et loquaces. On veut une maison parce qu'on a un projet après les JO 2024 de fonder une petite famille. Et pourquoi après les JO? Parce que vous aurez vu des sportifs un petit peu? Parce que déjà, non, c'est qu'on ne veut pas être embêté par un enfant. Mais non. Je suis passionnée aussi par autre chose. L'hydrospeed en fait partie. Et l'hydrospeed, coup, c'est quoi l'hydrospeed? L'hydrospeed, en fait, c'est de la nage en rivière ou en lac. Alors ça m'intéresse. Avec des combinaisons de plongée et avec les palmes. Le ton est donné, la visite peut vraiment commencer. Les murs sont très clairs, donc ça agrandit aussi la pièce. Vous vous sentez bien ici parce que vous vous installez. Non, c'est rare qu'en visite, on se pose comme... Tant mieux, mais ça veut dire que vous projetez, là vous êtes chez vous déjà. Je vais prendre place aussi. Vous commencez à m'être vachement sympathique. Moi, j'aime bien. Vous vous installez là. Le coup de la table, franchement, pour discuter, c'est bien. C'est une petite suite parentale parce que vous avez aussi un point d'eau. Vous rentrez dans le point d'eau. N'ayez pas peur, prenez votre douche. Allez. Ah ouais. Allumez le feu. Ah, c'est sympa les tasseaux. Vous êtes chauffé comment? Électrique. Électrique. Comme j'ai beaucoup de combinaisons à rincer, les baignoires, c'est l'idéal. Ah, mais c'est une vraie passion. Hein. Oui. Tu aimes ça au-dessus, là? Pas du tout. Qu'est-ce que t'aimes pas du tout? Ça fait un faisceau coupe volant. Ouais. Je me vois bien, là, avec le lit baldaquin. Et ça, oui. Est-ce qu'on aime le jaune ou pas? On aime le jaune, mais on n'aime pas du tout la peinture. Ah, ce petit tableau-là? Oui. Maman, c'est mon rêve, ça. Il y a même une barbecue. J'ai l'impression qu'il y a un petit coup de cœur, non? Je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Effectivement, ça fait un moment que je cherche. À peu près? Oh, ça doit faire 1 ou 2 ans que je cherche. Ah, quand même. C'est vrai que la maison regroupe la majorité de nos critères, mais il y en a un que j'apprécie pas trop, c'est la mitoyenneté. Je pense que mon petit choubi compagnon sera très heureux de cette maison et je voudrais, je pense, lui montrer vite. Les visites sont terminées. Laurence et Jean-Marc ont besoin de réaliser une vente longue en 6 mois pour avoir le temps de trouver leur maison de rêve au Portugal. Ils espèrent avoir ce soir une offre à 315 000 euros. Comment tu te sens, toi, Jean-Marc? Un peu stressé. Et pourtant, Laurence, elle peut te le dire, je suis pas de nature à stresser. Mais non, j'ai plutôt le roi du disco. Non, mais t'es plutôt d'une nature joyeuse. Tout à fait. Mais t'es d'une nostalgie extrêmement importante. Et je vais te dire quelque chose. Là, on a quand même un projet incroyable. Vous m'avez appelé pour vendre, pour profiter un peu de la vie, parce que vous êtes tourné vers vos enfants et vers les autres. Vous êtes un peu oublié. Et que j'ai l'impression que ce départ au Portugal est peut-être une libération pour vous pour enfin profiter à fond de votre vie et de votre amour. Tout à fait. Malgré ce que tu as pu vivre, je dirais que tu as une bonne étoile qui te protège là-haut. Oui, et cette étoile, elle s'appelle Céline. Oui. Et donc... Mais est-ce que tu penses qu'il n'est pas temps de s'envoler et de rendre tout le monde heureux, surtout toi-même? Si, mais il nous fallait un petit coup de pouce. Et c'est toi. Alors le coup de pouce,
Tu vas t'emmener au Portugal. J'ai deux offres écrites. Ce sont deux couples qui ont visité hors caméra qui ont fait ces offres. La première offre est soumise à des conditions suspensives. Alors Stéphane choisit de présenter à notre couple la seconde offre, plus solide. On achète votre maison, comptant, paiement cash, sans aucune négociation, avec une vente en 6 mois. C'est pour ça que je dis que tu es protégé. Et que ta fille fait du beau travail de là-haut. Oui. En tout cas, fait du travail pour te rendre heureux parce que tu le mérites. C'est gentil. Laurence aussi le mérite. Je parle aux deux. Hein. Oui. Vous n'êtes pas dissociables. Non. Non, oui, non, 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 on est les inséparables. Puis je serais malheureux sans elle. T'es heureux? Oui. Et toi, Laurence? Moi, je suis super heureuse. Ça fait 15 ans que je fais maison à vendre. Je crois que le seul cadeau que j'ai chez moi, c'est ton bateau. Ah oui. Et c'est ce bateau qui m'a fait naviguer dans le bonheur. Et je vais te dire, tu m'as ouvert l'esprit. J'ai vu des choses que je devais voir dans votre couple pour ma propre vie. Et ça, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Merci Stéphane, franchement, merci. Mais, regardez, on va faire Viva Portugal. Hein. Ouais. Allez, à 3, 1, 2, 3. Viva Portugal ! Et le Portugal ne s'est pas fait attendre longtemps. 15 jours après la vente, notre couple a trouvé la maison de ses rêves à Albufeira, tout au sud du pays. Je suis de retour à Hyères, dans le département de l'Essonne, une ville que je connais bien car j'y ai vendu beaucoup de maisons. Cette commune au sud-est de Paris a la cote car elle est à 25 minutes de la capitale par le RER et à 9 km de l'aéroport d'Orly. Et c'était déjà un lieu de villégiature très apprécié au XVIIIe siècle. Beaucoup d'artistes comme le peintre Caillebotte y ont vécu. Qui ne connaît pas Caillebotte? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Aurélie, Alexis et, si j'ai bien compris, une petite ménagerie. À vendre, appartement de 69 mètres carrés au premier étage. 3 chambres. Saldo, prix de vente à définir. C'est sur les hauteurs de Hyères, plus précisément dans la résidence Gambetta, construite dans les années 70 à quelques minutes à pied du RER, que vit Aurélie. Tokyo! Bonjour ma petite Tokyo, alors mon bébé. Elle a 38 ans, elle est préparatrice en pharmacie et éleveuse de chats de race depuis 14 ans. Et c'est donc dans son appartement que ça se passe. J'ai uniquement des Maine Coons, c'est des chats de race super gentils, un caractère de chat-chien. C'est des chats super calmes, donc c'est vrai que c'est facile à vivre. En ce moment, j'ai 3 portées, 15 petits chatons. C'est des amours sur pattes. On peut être que heureux avec ce genre de chat. Aurélie partage aussi sa vie avec Alexis, 32 ans, employé dans la grande distribution. Et il est lui aussi totalement sous le charme de ses boules de poils. Il nous accueille quand on rentre à la maison, on est posé sur le canapé, ils viennent faire des câlins, ils sont toujours là à nos côtés. Il est gaga, hein, totalement. C'est ça, on est complètement fous d'eux. Bon, oui. Aurélie et Alexis ont chacun un enfant d'une précédente union et sont en couple depuis tout juste 2 ans. Ils se sont rencontrés sur Internet. Et dès sa petite annonce, Aurélie a mis les choses bien au clair. En premier dans ma description, c'était « il faut aimer les chats ». C'était le premier critère. Sinon c'était next, hein, ça servait à rien. Je vais pas commencer une histoire s'il n'aime pas les chats. Je pouvais pas trouver mieux, il remplit tous les critères, il n'y a pas de souci. Hein? C'est vrai. Avec le temps est venue naturellement la décision de vendre cet appartement de 69 mètres carrés pour acheter plus grand.
Cet appartement, je l'ai acheté il y a 8 ans avec mon ancien compagnon, le papa de ma fille. Et quand on s'est séparés, du coup, je lui ai racheté ses parts. Il y a un an, Alexis est venu habiter ici avec son fils. Donc, on est 4 à la maison. Avec les chats, donc 69 mètres carrés, ça fait un peu étroit. Récemment, Alexis a été promu et muté dans la région dijonnaise. Une nouvelle qui tombe à pic pour le couple en mal de nature et d'espace, mais qui les a pris de court. Entre l'annonce de ma mutation et la prise de poste, j'ai seulement 2 mois. Donc on est un peu ric-rac sur le temps. Donc on fonctionne seulement par priorité, quoi. Du coup, on a dû trouver une maison en location là-bas. Donc là, c'est bon, on a trouvé, donc on est dans les cartons. Mais on ne s'est pas occupé du tout de la vente de l'appartement parce que je savais très bien qu'il fallait 3 à 4 mois pour pouvoir vendre. Donc là, on va cumuler et le crédit de l'appartement et le loyer. Donc c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Stéphane Plaza arrive donc dans la résidence et c'est tout naturellement, avec leur gros bébé dans les bras, qu'Aurélie et Alexis l'accueillent. Bonjour Stéphane. Oh la vache, dis donc, c'est un beau barbu que j'ai là, hein. Non, je parle de toi là. C'est bien Aurélie et Alexis. Je me suis pas trompé. Non, du tout. C'est quoi, c'est une panthère et un tigre? C'est ça. Oh, ils sont gros, hein. C'est les mêmes coons? Oui. Ah, c'est ton métier alors? C'est pas mon métier, c'est ma passion. Tu les vends? Oui. Tu les donnes? Ben, ça peut se négocier. Posez ça, venez me voir, on va en discuter un peu au soleil. Ça griffe ou pas? Oh là. Non. Moi, j'adore les chats. On s'embrasse? On s'embrasse. Ça va, on s'embrasse aussi, hein. Hein. Alors, on a combien de chats? À la base, j'en ai 8, mais là, actuellement, il n'y en a que 4. D'accord. C'est déjà pas mal, hein? Oui. C'est ta passion, alors? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi ton métier? Je travaille en pharmacie. Ah, t'es préparatrice en pharmacie? C'est ça. Et toi, alors? Moi, je suis employé commercial en grande surface. Alors, l'appartement appartient à qui? À vous deux? Non. Non, c'est à madame. À toi. Tu l'avais acheté il y a combien de temps? 8 ans. L'avantage, c'est qu'apparemment, ça se vend, puisque oui. Au-dessus, ça a été vendu. J'ai vu un autre panneau. T'as une petite idée du prix? Pas du tout. Entre 160 000 et 200 000 euros, à peu près. D'accord. La fourchette est grande, hein? Bon, bah, allons voir les Maine Coons. Bah oui. Et moi aussi, j'adore les chats parce que j'ai une petite chatte. Hydra, un persan. Direction le premier étage pour découvrir l'appartement et ses nombreux habitants à poil. Stéphane ne se doute pas de ce qu'il attend. Oh la vache, on dirait une panthère. Non mais attends, ils sont énormes. Ils me regardent, hein. Oui. Comment ils s'appellent alors? Nikki. Nikki. Je peux le caresser? Bien sûr. Moi, si je vends l'appartement, je vends bien, ben j'aurai un petit frère. T'as de la chance, il t'aime bien. Même s'il est attendri par les félins, Stéphane n'oublie pas la raison de sa venue. Autant les chats sont magnifiques, autant dès l'entrée, je me dis que l'appartement, je vais avoir du boulot. J'ai des poils ici, j'ai des poils ici. Ça veut dire que j'envoie un message, l'appartement n'est pas forcément très bien entretenu et peut-être qu'on va avoir trop d'argent à dépenser pour le remettre en état. Certaines personnes ont peur des chats. Là, on en a quand même 4. On a moins peur des poissons rouges. Ça veut dire que si vous avez peur, vous n'allez pas acheter et pas regarder l'appartement. C'est ça. Donc ça peut tendre vraiment quelqu'un qui visite. Oui, non, mais oui, je le comprends très bien. C'est sûr que ça peut effrayer les gens. Et les poils, tu les vois quand même. Oui. C'est vrai qu'on les voit, mais c'est vrai qu'avec les grosses journées qu'on fait, on rentre, ça, c'est pas notre préoccupation. Honnêtement, je le comprends, hein. Mais moi, pour la vente, c'est trop. Cet appartement, au plan optimisé, comprend un séjour de 16 mètres carrés, 3 chambres et une cuisine. Petite mais efficace, avec un cellier ici. Oui. Et une fenêtre, donc elle est très lumineuse. En revanche, on voit bien que ça déborde de partout. Ça donne l'impression que la cuisine est peut-être trop petite, pas familiale, pas fonctionnelle. C'est tout ce qu'il ne faut pas pour une vente. D'accord. Cette cuisine, Aurélie a pourtant tenté de la moderniser par petites touches. Je regarde tes émissions, donc j'ai changé le foyer. Ah bah. J'ai changé le plan de travail, j'ai changé l'évier. Bah, je trouve qu'il y a eu du boulot de fait. Peut-être que tu n'as pas été assez loin. Ouais. Et peut-être qu'il y a trop de choses et qu'on n'apprécie pas ton travail. Alors, on continue, hein? Le séjour, qui dispose d'une grande fenêtre, n'est pas du tout mis en valeur. Je vais peut-être me répéter, mais c'est vrai qu'il y a trop de choses. C'est vraiment encombré. Là, il y a les croquettes, des arbres à chat. Là, il y a le fauteuil pour le chat. Je parle même pas des tableaux, hein. Un chat ici, un chat là, un chat là, un chat derrière. C'est plus une maison de chat qu'une maison d'être humain.
Ah bah oui, bah je les aime. Hein. Oui, bah si on est très objectifs tous les trois, dans l'état où est l'appartement, on ne pourrait pas le vendre. Ou alors on perdrait beaucoup d'argent. Des espaces encombrés, mais aussi des murs et des plafonds en mauvais état, notamment dans la salle d'eau. Ah, qu'est-ce qu'on a eu là ? Là, il y a eu un dégât des eaux en haut. Oui. Ils sont venus le refaire, mais trop tôt en fait. Ça n'avait pas séché. Ils vont revenir ? Non. Donc ça veut dire que c'est pour nous le boulot. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça une salle d'eau. Oui. Un, parce qu'on peut penser qu'il y a une fuite encore. Ça veut dire que l'acheteur, il s'en va. Une salle d'eau, si on n'en a qu'une, il faut qu'elle soit impeccable. Oui. Alors après ? Voici la première des trois chambres. Celle des enfants qui vivent ici une semaine sur deux. Un truc me turlupine, c'est quoi ce grillage aux fenêtres ? Ça doit être pour les chats. Oui. Exactement. Oh putain. Parce que depuis tout à l'heure, je regarde là et il me semble qu'il y en a partout. Oui, parce que partout. Du coup, comme les enfants ouvrent les portes, les fenêtres, etc. Pour la vente, il va peut-être falloir en enlever un petit peu le grillage. Hein. Oui. Je vais où là ? En face. D'accord, attendez, vous m'avez dit quatre chats. Non, oui. Il n'y en a pas quatre là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je t'ai dit que j'étais en élevage. 9, 10, 11, 12, 12 petits plus 4, 16. Et vous m'avez dit, il n'y en a plus que 4. Ils ne vont pas rester, eux. Oui, mais alors, on peut dire, ça sent le chat. Oui. Il y a quand même une odeur. Oui. Moi-même qui suis habitué. Ça ne me dérange pas, mais ça prend aux narines, hein. Ça peut aussi un peu déranger. Stéphane fait vite abstraction de l'odeur quand il croise le regard de ce chaton de tout juste un mois. C'est un coup de foudre. Comment elle s'appelle ? Elle n'a pas de nom encore. C'est un nom hanté. Tu peux choisir. Tentation. Stéphane se verrait bien adopter le chaton. Serait-ce le début d'une histoire ? Mais on dirait une seringue. Oui. C'est une seringue avec une petite. Et alors, comment je fais ? Alors, attends, là. Oh, t'es beau, ça. Regardez, ça. Regarde. Oh. C'est ton nouveau papa. Et tentation. En plus, elle a pas de famille, en plus, elle. Elle a pas de famille ? Ouais. Et bah, c'est moi. Enfin, elle a même pas son premier vaccin, ni quoi que ce soit. Donc... Faut que j'attende. Oui, faut que t'attendes un petit peu. Oh, bah, je la reconnaîtrai. Alors, je la pose là. Allez. Vas-y. Oh, tentation. Dis donc, Hydra et tentation. Stéphane va devoir descendre de son nuage pour découvrir la troisième chambre. Après celle des enfants et des chats, voici celle des parents. Bon, bah, alors, bon, ça, c'est quand même une caméra, ça. C'est pour nos petites soirées coquines. Ah. Alors, Alexis, j'ai envie de te dire, tu as raison. Oui, oh, je vous adore. Alors, pour la vente, peut-être qu'on va modifier un peu. Alors, c'est quoi ? C'est pour les mises bas, etc., pour les surveiller. Ah. Parce que là, généralement, c'est là où naissent les petits. Une fois qu'ils sont plus grands, ils vont là-bas. Passons sur la caméra qui surveille les bébés chats. Le problème, c'est surtout l'état général de la pièce. Là, je vois du papier qui a été commencé, en tout cas pas terminé. Là, pas terminé. Là, pas terminé. Derrière, pas terminé. Oui. Ici, bon, bah, c'est soit les chats, soit c'est Alexis qui a fait ses papas. Et là, on a le lit vache. Pour la vente, il faut un linge de lit d'adulte, parce que c'est les parents qui achètent, et là, ça reste un peu enfantin. Je vais m'occuper de ça. Il y a une urgence, on est déjà parti dans l'Est, on a la mutation de monsieur. Eh bien là, je peux vous dire que je suis motivé. Ah bah ça c'est... D'accord ? Alors, je vous retrouve dans quelques temps avec Emmanuel Rivassou, qui adore les animaux encore plus que moi. On fait comme allez, ça. Eh bien, ramenez-moi. Ça va, toi, dis donc ? Ils sont gros, hein. Ah bah faut que tu t'habitues, hein, elle va être comme ça. Hein. Oh là, dans quelques temps avec Emmanuel Rivassou, qui adore les animaux encore plus que moi. On fait comme allez, ça. Eh bah ramenez-moi. Ça va toi, dis donc. Ils sont gros, hein. Ah bah faut que tu t'habitues, hein, elle va être comme ça. Hein. Oh la vache. Aurélie avait acheté cet appartement avec son ex-conjoint. Pour pouvoir garder le bien après leur séparation, elle a dû lui racheter ses parts, ce qu'on appelle le rachat de soult. Voici les conseils de Stéphane sur ce sujet. Le point crucial dans le rachat de soult, c'est l'estimation du bien. Parce que pour savoir combien celui qui rachète doit verser à l'autre, on prend cette fameuse estimation de laquelle on déduit le capital restant dû s'il y a encore un prêt en cours. Et ensuite, on divise par deux. Dans le cas d'un achat à 50-50, évidemment. Il faut donc faire au moins deux estimations et récupérer son tableau d'amortissement auprès de la banque. Attention, une séparation coûte cher sur le plan immobilier.
Il y a les frais de notaire, parfois des pénalités de remboursement anticipé et des taxes de l'État qui sont plus importantes pour un couple en concubinage que pour un couple marié ou pacsé. Quelques jours plus tard, Stéphane est déjà de retour hier. Bonjour Stéphane. Venez, on va se balader un petit peu. Il a entre-temps étudié le marché immobilier local. Allez, on se hug. Et particulièrement celui de cette résidence, la plus grande copropriété de la ville, avec ses 600 logements. Elle est connue pour ses prix attractifs, qui attirent beaucoup de primo-accédants. Conséquence, il y a toujours une dizaine d'appartements en vente en même temps. On va aller voir justement un appartement qui s'est vendu juste à côté. Ah, super. Il vient de se vendre. Comme ça, on va comparer ce qui est comparable. La signature vient de se faire. Il emménage demain. Ah, ça, c'est super. C'est le même appartement. Vous allez voir, on y va en bon état. Pas de soucis. Sans chat, sans poil. Hein. Cet appartement, qui est une réplique exacte de celui d'Aurélie avec ses 69 mètres carrés et ses 3 chambres, va être un point de comparaison parfait pour fixer leur prix de vente. Et voilà. C'est le même, hein. Alors là, ah oui. Même étage, même superficie. Il y a deux possibilités, ou on ouvre là, ou on ouvre ce mur. C'est vrai que ça paraît plus grand et plus lumineux quand même. Et on a toujours ce petit cellier qui est ici. Donc là, on est vraiment dans le même appartement. Ah oui, vraiment le même du même. Ah, c'est le même. Oui. T'as vu l'état? Oui. Là, pas la petite chatterie. Un appartement sans fausses notes, au mur et au plafond impeccable. Elle est petite, comme la vôtre, mais il n'y a rien à dire. Regarde bien partout. Ouais. Elle est immaculée de blanc. C'est comment ? C'est joli. Passons au prix de vente de cet appartement en parfait état qui s'est vendu il y a 7 mois. Rappelons qu'Aurélie aimerait pour le sien un prix minimum de 160 000 euros. Cet appartement, c'est le même que vous. Il s'est vendu. Oui. 171 000 euros, net vendeur. D'accord. Je propose de mettre votre appartement après une rénovation, après des vrais travaux à 175 000 euros. Tu m'avais dit 160 000 euros minimum. Oui. On est au-dessus. Là, je vais plus m'adresser à Aurélie puisque c'est son appartement. Qu'est-ce que tu penses du prix? Est-ce que tu es d'accord sur ce prix-là? Oui, je suis d'accord. Oui. De toute façon, vu l'urgence, il faut qu'on vende. Donc, il faut rester dans les prix raisonnables pour pouvoir le vendre rapidement. Ça vous va? Ça me va. Bon, ben moi, j'aime quand les gens ont le sourire. Hein. Parce que quand on parle d'argent, ils n'ont pas toujours le sourire. Allez, bon, ben on y va. On y va. Allez, ben, on est motivés. Hein. Je reviens. Oui. Je reviens dans deux jours avec Emmanuel. Hein. Je vous préviens. Hein. Pas de soucis. J'ai acheté il y a 8 ans. C'est vrai que le marché immobilier a pas mal bougé depuis. J'avais un peu peur de ce que Stéphane allait m'annoncer. Mais bon, 15 000 euros en plus de ce que j'espérais, je suis super contente. Maintenant que le prix est fixé, il va falloir réfléchir aux transformations les plus susceptibles de décider les acheteurs du moment. C'est la talentueuse Emmanuelle Rivassou qui se voit confier ce dossier. On va peut-être se tenter une petite couleur. Hein. Et elle a du pain sur la planche. Il faut remettre en état l'appartement et lui donner le petit supplément d'âme qui ravira le cœur des visiteurs. Après quelques jours de travail et plusieurs concertations avec Stéphane, Emmanuelle est quasiment au point sur les travaux nécessaires. Aujourd'hui, elle appelle notre expert immobilier pour avoir son avis sur une idée qu'elle a eue pour la décoration. Dans cette immense copropriété, elle sait qu'il faut faire des choix marquants pour retenir l'attention des visiteurs. Ah, je suis contente que tu décroches. Tu veux bien? Tu m'appelles encore pour la chatterie d'Aurélie? Oui, j'ai bien avancé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une troisième chambre, mais finalement, on a un tout petit séjour pour un appartement de cette surface? Possibilité d'avoir un grand salon, salle à manger, ou possibilité d'une troisième chambre s'ils ne sont pas éleveurs de chats? J'ai tout en tête, très bien. Ok, moi j'ai besoin d'une pièce forte. Si tu veux, j'ai pensé à un papier peint côté salle à manger, quelque chose qui tire un peu l'œil et qui soit assez fort. J'ai plusieurs pistes, tu vois. Non, attends, pardon, c'est de l'or. Oui, regarde, c'est joli comme si c'était une feuille d'or. Ça me fait mal aux yeux, okay. Regardez ça. Regarde celui-là. Oui.
pardon de te le dire, j'ai bien vu, c'est très bien ça pour les très grands appartements. Moi, j'ai des privaux accédants, s'ils sont copropriétaires, donc ça, c'est pas possible. Non, plus discret. Toi, faut. T'es habillé comment? T'es classe, regarde, noir et blanc. Comme ça? Voilà, noir et blanc, un papier un peu noir et blanc, discret, fin, je te laisse choisir, mais comme ça je peux le laisser en salle à manger ou le passer en chambre sans problème. Moi ça me va, papier peint végétal, noir et blanc, c'est noté. See you later. See you later. Emmanuel a pris quelques jours pour boucler son projet. Voici les deux experts de retour pour tout expliquer à nos deux amis des chats. Comment ça va? Ça va, ça va. Je présente pas, hein. C'est Emmanuel Rivassou, Alexis Aurélie, bon bah éleveuse de chats et aussi préparatrice en pharmacie. Emmanuel a mis les bouchées doubles. Bon, notre principale mission, ça a été de redonner à cet appartement sa fonction d'appartement pour humains. Fini donc la chatterie. Les mètres carrés de cette chambre perdue vont être réaffectés à la pièce à vivre. Ici, c'est votre séjour actuel. La pièce derrière, c'est la pièce des chats. On va ouvrir ici le mur mitoyen pour rajouter la surface de la pièce derrière. On obtiendra un beau séjour de 26 mètres carrés. Donc on va installer confortablement un coin salon et une véritable salle à manger dans le fond. Mais on aura aussi la possibilité de fermer si on a une famille plus nombreuse. Oui. Et pour mettre en valeur le nouvel espace salle à manger, Emmanuel a choisi deux sols en vinyle. L'un avec un motif parquet côté salon et l'autre en carreau de ciment. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, très joli, sauf la couleur du canapé. J'aime pas trop la couleur verte. Eh ben, on est mal parce que c'est cette couleur que j'ai choisie pour ponctuer un petit peu tout ton appartement. D'accord. Et toujours dans cet esprit contemporain mais cosy, Emmanuel a choisi un papier peint panoramique noir et blanc et un mur couleur charbon. Ça, c'est nos couleurs. Ça, c'est vos couleurs, un peu dark. Hein. Dark. Hein. La cuisine sera désencombrée, mais c'est surtout sur le cellier qu'Emmanuel va porter toute son attention. Quand on laisse une pièce de rangement ouverte, il faut qu'elle soit lookée. Oui. Donc notre astuce, ça a été de choisir de faire une boîte colorée, c'est-à-dire qu'on va peindre dans la même couleur tous les murs et le plafond. J'ai choisi du coup ce vert céladon, une teinte qui est douce et qui se situe entre le vert de gris et le vert d'eau. À mon avis, elle n'a pas étudié tous les verts parce que c'est pas sa couleur préférée. Non, mais c'est un vert bleu, donc ça va. C'est celui-ci exactement. Ouais. Il te plaît? Ouais. Emmanuel va habiller cet espace avec une série d'étagères en bois brut posées sur toute la hauteur jusqu'au plafond. Elle était pas mal cette cuisine. Bah, t'avais fait déjà les trois quarts du boulot. Nous, finalement, on t'accompagne pour la finition. Dans la chambre parentale, Emmanuel a fait le pari d'une déco tendance assez marquée. Ah oui, là, c'est le changement complet. Soirée disco, il n'y a pas la boule à facettes? Là, on tente un truc. Hein. Là, oui. Mais qu'est-ce que t'en penses, là, Alexis? Pas pour moi, c'est le papier du fond, c'est un peu trop coloré à mon goût, mais sinon, le reste, c'est pas trop mal. Pareil, c'est fraîche. C'est vitaminé. Oui. Surtout, ce qu'il y a de très, très à la mode, ce sont les motifs floraux. Mais mon conseil, c'est toujours de venir le mettre sur un pan de mur seulement dans ce cas-là. Pour calmer le jeu, les autres murs seront repeints dans une teinte neutre et le lit sera habillé d'une parure unie. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une résidence où tous les appartements se ressemblent. Oui. Donc il est important aussi pour l'avant de se démarquer complètement pour montrer que c'est un appartement rare. Oui. Et la rareté, c'est de l'argent. Pour optimiser l'espace dans la chambre des enfants, qui fait moins de 10 mètres carrés, Emmanuel a opté pour un lit superposé et elle a délimité un espace plus ludique. La petite touche d'originalité, c'est ce linéaire qui, en fait, est une ardoise magnétique. C'est une matière comme ceci qui s'oppose directement au mur puisqu'il est auto-adhésif. Et on peut écrire et poser des magnettes. Ah oui! Pour finir, le point noir de l'appartement, la salle d'eau. La salle d'eau, c'est vraiment la pièce chez vous qui nécessite le plus de rénovation. Parce que là, actuellement, c'est une pièce qui fait peur. Hein. Surtout qu'il y avait eu un dégât des eaux qui a été réparé, mais réparé peut-être trop vite il y a 2 ans. Et que là, eh ben, on a toujours l'impression que ça fuit. Donc là, gros budget. Hein. On va rénover la salle d'eau totalement du sol au plafond. La seule chose qu'on conserve, c'est votre meuble basque qui est en bon état. Au sol, Emmanuel a décidé de poser ses dalles en vinyle, impression terrazzo.
Très joli. Dark. Le dark. Hein? Le dark. Hein? On a tout vu? On a tout vu. Alors, on n'hésitera pas à trouver des amis pour nous aider. Bien sûr. Nous, on va tout faire et on va y arriver. Pas de soucis. Hop, j'y vais là, pardon. Allez, attention. Oula, oula. Oula, il a eu peur. Oui, donc là, j'y vais. Ok, hop, attendez, pardon. Voilà, hop là. Le lendemain, deux drôles de félins très poilus arpentent les trottoirs de la résidence. Si je peux me permettre, je me demande si on a bien choisi avec la saison. C'est un peu chaud, hein. Ouais. Toi, t'as bien bouffé la cantine. Ah ben, j'ai mangé la gamelle du chat noir, moi. Ah oui, alors que moi, toi, je suis svelte comme un petit poussin. Ah oui, mais t'es un chat de gouttière, ça fait du sport. Ah non, moi, je suis un Maine Coon. Ah. Stéphane et Emmanuel n'ont pas résisté au petit clin d'œil pour motiver les troupes en ce jour laborieux de déménagement. Oh là, ah, mais il y a quelqu'un d'autre qui sait qui est derrière vous, là. C'est Eric et Bernard, ils sont venus nous aider à déménager. C'est les poils du chat. Eh ben, on arrive pour se faire gratter le ventre. Venus prêter main forte, Eric et Bernard sont eux aussi éleveurs de chats Maine Coon. Ah oui, vous êtes venus spécialement pour nous aider, donc vous êtes rencontrés avec les chats, alors, c'est ça? C'est ça. Stéphane, lui, est impatient de retrouver son chaton, qui s'appellera finalement... Topaz. Tentation, c'est fini. On va t'appeler Topaz. Tu vas avoir un papa un peu fou, mais il est gentil. Hein. Oh, dis donc, on a du caractère, la petite. Hein. Après les câlins, vient l'heure de rassembler tous les chats. Ils seront gardés par Bernard le temps des travaux. C'est dur de les laisser partir. Il va y avoir l'alarme. C'est dur, alors, ça. C'est dur. Oh, ils sont beaux. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Pendant que les chats sont soigneusement installés dans leur sac de voyage, allez, allez. S'il te plaît. Emmanuel vide la chambre parentale avec Alexis et Eric. Allez, on commence à évacuer. En avant. De son côté, Stéphane a la lourde responsabilité de transporter les chatons sous le regard inquiet d'Aurélie. Ça va pas s'ouvrir. Non, mais tu fais attention. Il y a ma topaz dedans, donc je vais faire très attention. Il y a intérêt. Aurélie appréhende la séparation. Bernard, t'as une pression, mon Bernard. C'est pas parce que c'est toi, hein. Je te fais partir. Hein. Oui, attention. Non, c'est pour la vente. Oui. Tu conduis doucement, Bernard. Moi, je vais me changer. Hein. Pas de problème. Ah. Maintenant que les chats sont partis, les déménageurs peuvent s'activer sans les effrayer. Emmanuel et Aurélie se débattent avec les jouets des enfants. Dis donc, il y en a partout. C'est un magasin de peluches. Hein. Oh, mais je l'adore, lui. Si je montre ça à Stéphane, ben on le perd pour le déménagement. Donc ah bah c'est sûr, vite on va le cacher. Vite cachons ce jouet. Dans le séjour, la curiosité de Stéphane ralentit sévèrement le rythme. Et le crâne, c'est à qui là? C'est quoi ça? La peinture, ça c'est à madame. Aurélie! Quoi? C'est quoi comme pierre? C'est une pierrite. D'accord, et ça c'est quoi? On peut ouvrir, c'est quoi? Ah non, c'est une urne. Hein? Un de mes chats qui est mort. Bah, attendez, pardon. Je les garde, hein, c'est tu mes chats. Tu gardes les urnes à chats? C'est mes chats, je les garde avec moi jusqu'au bout. Eric, toi, tu gardes ça? Je garde les chats qui sont partis dans une urne, effectivement. Je me sens coupable parce que moi, j'ai quand même perdu... j'ai perdu deux chats. Ouais. Et je les ai pas regardés. T'es sans cœur? Et plus Stéphane se renseigne, et plus il se sent seul. Ah, mais moi, je garde toutes les urnes de mes chiens. Ah. Je les ai tous, c'est individuel. Je les ai mis pareil. Quoi? Je fais pareil, bien c'est sûr. C'est toi qui es sans cœur de ne pas les garder. Hein. Donc, vous habitez dans les cimetières, là. C'est on non, mais en fait, avec avez... nos anges autour de nous. C'est ça. Voilà. Je n'irai jamais dormir chez vous. Hein. Je ne vais plus dormir chez toi, je te préviens. Et Eric, je ne dors pas chez toi non plus. Bon, je pars avec l'arbre de vie, avec ça qui est vivant ici. Résigné, Stéphane s'attelle à enlever les poils de chat dans l'entrée. On va s'attaquer à l'arbre à chat, nous, hein. Non, mais attendez, pardon, vous l'enlevez à l'américaine, vous tirez dessus. Hein. Ah non. Bah, déjà, il est fixé au mur, faut qu'on l'enlève. Bah, c'est bah, ça. Pourquoi il est fixé au mur? Occupe-toi de tes poils. Mais, impatient d'en découdre, Stéphane prend les choses en main. Oh là là. Ah, doucement. Oh. Ça va? Tu l'auras bien cherché, là. Oh là, ça t'es pas patient, le petit Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a puni. Pour cause de blessure, notre agent reste sur le banc de touche. Ah, ça fait du bien. Sortez le canapé, hein, allez-y. Au moment opportun où il faut descendre les gros meubles qui partent en direction de la maison louée à Dijon. Fais pas comme Stéphane, hein, ça casse pas la figure. Oui. J'ai essayé. Il faudra encore plusieurs heures pour tout vider.
Le lendemain matin, l'heure des transformations a sonné et Stéphane n'est pas peu fier de montrer à Emmanuel sa toute nouvelle acquisition. Mais dis donc, oui, je suis impressionné. C'est important, tu vois, j'ai tout mis. Hein. Burin, petit burin. Avec le burin, évidemment, le bon bah. Hey. T'arrives à l'heure, ouais. Équipé, ouais. Et t'as l'air de bonne humeur. Maintenant, il va falloir qu'on traîne pas. Hein. Bon. Ah, attends, deux secondes. Le... Mais on dirait une machine ce matin. Ah bah, je suis une. C'est passé près de moi? Non, c'était quelqu'un. Mais te baisse pas comme ça, oui, je... D'accord. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Après ce démarrage sur les chapeaux de roue, les renforts arrivent. Ah! Alors, qui c'est? C'est ma sœur, Chloé. Tu t'y connais en travaux? Elle n'a jamais fait de travaux. La grande transformation, c'est le retrait de la cloison entre le séjour et la chambre des chats qui va permettre d'avoir un grand séjour de 26 mètres carrés. Oui, quand même. Stéphane a sa petite idée pour accélérer le cours des choses. Alexis, à mon avis, tu prends de l'élan, tu frappes dans le mur, il tombe. Comme un peu Obélix. Alors vas-y, mets-toi là. Vas-y, mon Obélix. Faut peut-être le faire un peu. Comme tu le sens bouger un peu ou pas? Un tout petit peu. Bon, alors attends. Ce n'est que partie remise pour Stéphane qui, après quelques coups de masse, retente l'expérience. Attention, Obélix, deuxième. Allez. Ah la vache, ouais. C'est pas mal, ouais. Obélix, troisième. Bah voilà, regarde. Bon bah là c'est de la finition hein, maintenant. C'est ça. Plus au calme dans la cuisine, Emmanuel explique à Chloé comment transformer le cellier. Regarde ici, tu vois, l'arrière-cuisine, cette partie, le cellier, on va le laisser ouvert. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit looké tendance. Et j'ai choisi ce vert céladon. T'aimes bien? Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon bah écoute, on va peindre mur et plafond. Alors c'est parfait ce que tu fais, mais tu vas croiser les couches. Regarde, je te montre. Pendant que le cellier se refait une beauté... Alexis, une porte chacun. Stéphane et Alexis s'attaquent aux portes des chambres qui laissent toutes passer la lumière. Moi, la transparence, j'adore, mais il aurait fallu le côté un peu alu, un peu loft. Là, on est entre deux. Et entre deux, moi, ça me plaît pas. C'est toujours embêtant de changer une porte. Mm-hmm. Ça peut être du sur-mesure, on n'en trouve pas facilement. Là, on a une porte qui est plutôt pas mal. On va rajouter du médium. Donc, on va plaquer ici. Et comme ça, on va avoir une porte pleine. Ça sera beaucoup plus chic. Emmanuel a déjà prédécoupé les panneaux de médium. Écoute, si on fait... Que l'on commence par coller sur la porte. Tu fais une œuvre d'art ou pas? Bah, il faut s'appliquer quand même. Oh, il fait des petites vagues. T'as la mer te manque en ce moment, non? Hein? Un petit peu. Ouais, ça se voit, hein. Alors, vas-y. C'est là où il faut bien positionner. Voilà, là, ok. Là, on n'est pas trop mal. Là, allez, là, je peux te dire qu'on est même superbe. Et pour solidifier le tout, on cloute. On y va? Ah oui, dis donc, quand même, tu vois. Hein, à ne pas laisser dans toutes les mains, hein, c'est très dangereux. Hein. C'est pour ça que c'est toi qui le fais. Ouais, c'est peut-être pas la... T'as raison. Mais je sais que c'est dangereux, donc je fais attention. On est plutôt bien, donc on va faire l'autre face, et puis après les autres portes. Allez, on court. Le soleil est de sortie, Emmanuel et Aurélie aussi. Voilà. On va être bien là pour ce petit atelier do it yourself en plein air. Ouais. Est-ce que tu aimes bien customiser, relooker des meubles? Oui, j'adore. Emmanuel va se permettre une touche très originale sur le petit meuble à chaussures sans personnalité. J'ai pris de la peinture en bombe, argile verte et ensuite, pour ce tiroir-là, j'ai choisi une peinture blanche effet marbré. Ah, ça va être joli. Avant de peindre, le meuble doit être dégraissé à l'acétone et légèrement poncé. Pas besoin de poncer à fond, hein. C'est juste un égrenage. C'est l'avantage de ce type de peinture spéciale relooking, c'est que ça adhère bien sur le support. Donc regarde. T'as vu comme ça couvre bien? Ah oui! Dis donc, toi qui n'aimais pas le vert, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est joli. Allez, maintenant on va faire l'effet marbré. Tu vois, le marbre? Ah oui, ça fait joli. C'est vrai que c'est beau. C'est sublime. Retour dans l'appartement pour retirer le soubassement PVC qui ne fait pas très qualitatif dans les chambres. Alors attention de ne pas aller trop vers le mur pour ne pas faire des dégâts, hein, pas faire de trous. Ça va venir quasiment, tu vois. Les travaux avancent à grands pas.
Mais il faudra encore plusieurs jours d'efforts pour faire de cet appartement un petit bijou pour la vente. Et une semaine plus tard, notre équipe a tenu ses délais. Emmanuel s'empresse de terminer sa décoration avant l'arrivée d'Aurélie et Alexis qui n'ont rien vu de l'aménagement. Nos éleveurs de chats risquent de ne pas reconnaître leur appartement qui était si abîmé par leur vingtaine d'amis poilus. J'ai les clés, comment on se sent ? Bien, bien. Bon, ça va, ça va. Un peu tendu ou pas, non ? Impatiente. Impatiente. Alors, on va voir la déco qui a beaucoup changé. Il n'y a plus de chatterie, on le sait. Ouais. En parlant de chatterie, comment va Topaz ? Très bien, elle va super bien. C'est déjà un beau cadeau de m'offrir ce chat, mais tout ce qui est soins, puces, vaccins, tu me prépares ma note. Sans problème. Non, mais j'y tiens. Ouais. Alors, on y va ? On y va. Ah, vous allez voir, il y a du changement. Hein. Bonjour. Changement. Oui. Changement. L'entrée est maintenant impeccable et débarrassée des anciens pensionnaires. C'est très bon. C'est un bébé, j'ai du mal, mais bon. Oui. C'est l'urgence, donc en même temps, voilà, c'est normal. Les litières, les gamelles et autres arbres à chat ont laissé place à des objets plus habituels dans une entrée. La suspension bimatière coûte 60 euros et est très solide. Le miroir là-bas coûte 60 euros et le pouf 60 euros. En fait, tout coûte 60 euros dans cette entrée. Voilà. On retrouve aussi le meuble à chaussures customisé. Moi, j'aime beaucoup la couleur du meuble à chaussures. C'est très, très beau. C'est pratique dans les petits espaces d'avoir des meubles double fonction. Chaussures. Console. Oui. On gagne de la place et ça séduit les acheteurs potentiels, même si on le laisse pas. Et ils se disent, ah bah oui, on peut faire la même chose. Oui, c'est sûr. La visite se poursuit par le séjour qui est passé de 16 à 26 mètres carrés. Ah, ça change, oui, c'est beaucoup plus grand. C'est un changement total. Ça te plaît ? C'est parfait, ouais. C'est très joli. On met en valeur les mètres carrés et n'oublions pas que pour un appartement, encore plus que pour une maison, on achète un prix au mètre carré. Emmanuel a délimité élégamment ces deux nouveaux espaces avec des motifs sur vinyle différents. L'un est impression carreau de ciment et l'autre parquet en chêne. Je dirais un vrai parquet. Touche, tu vas voir, il y a même la texture qui est imprimée en relief. L'avantage quand on fait du home staging, c'est que c'est une matière qui a un joli rendu, le vinyle, et qui coûte 25 euros du mètre carré. On le pose juste, on n'abîme pas le sol existant. Niveau mobilier, en revanche, Emmanuel s'est permis quelques folies, une fois n'est pas coutume, pour donner à ce salon une touche plus cossue. Le meuble télé, très élégant, coûte 450 euros. Le canapé, 1300. Le trio de table basse, 400. Mais les petites suspensions coûtent 60 euros. Alors, soyons honnêtes, c'est vrai qu'on sait que dans une vente, 20%, bah c'est la déco qui déclenche l'achat. Donc on a mis le paquet pour vous aider. Mais ça reste quand même des prix assez forts. C'est vrai que sur dessin, les couleurs, c'était pas forcément ça, mais en vrai, c'est très joli. Ça te plaît ? Oui. Et pour donner de la profondeur à ce nouveau séjour, Emmanuel a posé sur le mur du fond ce papier peint panoramique impression végétale. C'est vrai que quand on entre dans le salon, on est tout de suite attiré par le fond de la pièce. Il y a de la place maintenant pour se mettre à table et manger. Donc... Inviter du monde. Ah oui. C'est ça. C'est un peu tout ce que vous ne pouviez pas trop faire. Exactement. Côté aménagement, Emmanuel a encore un peu cassé la tirelire, mais toujours en maîtrisant son budget. J'ai acheté de nouvelles chaises. Elles coûtent 100 euros pour celle en bois, 200 pour celle-ci. En fait, c'est comme la mode. Il faut mixer des pièces très peu chères avec des pièces un peu plus chères. Au final, dans ton budget global, je suis toujours dans un budget de home staging. Pour créer cette suspension, en fait, j'ai acheté deux abat-jour que j'ai mis comme ça en grappe et on a quelque chose d'unique pour 2 x 60 euros. C'est très beau. Aurélie et Alexis découvrent à présent leur chambre qui manquait cruellement de style. L'objectif, c'est de rendre unique cet appartement par rapport à tous les autres biens à vendre dans cette résidence. Ah oui, c'est coloré. Ça va, ça rend bien. Ça flash pas, en fait. Quand on choisit un papier peint avec un motif très intense et beaucoup de couleurs comme celui-ci, on le met sur un seul pan de mur.
Deuxième astuce, il faut qu'autour, je ne retrouve plus aucun motif. C'est pour ça que mon linge de lit est uni. Et après, pour le choix des couleurs, je suis allée piocher des couleurs qui sont déjà présentes dans mon papier peint. On est sûr de ne pas se tromper comme ça. Bah, c'est d'une élégance rare. Ouais. Chapeau bas. Emmanuel a réutilisé le lit d'Aurélie et Alexis et a investi dans des articles au prix raisonnable, comme cette coiffeuse à 129 euros, ses tables de nuit et ses lampes de chevet à respectivement 69 et 31 euros. On va voir la deuxième chambre. Allez, deuxième chambre qui est juste à côté. Ah oui. Le nouveau lit superposé a permis d'optimiser les 9 mètres carrés de cette chambre d'enfant. C'est très joli. Bon, ça va se battre pour savoir qui va dormir en haut. Ça, mais... c'est sûr. Hein. Pour équilibrer ses dépenses dans les autres pièces, Emmanuel a réutilisé ce coffre, ce banc et cette armoire. Elle les a mises en valeur avec cette étagère Tipeee à 12 euros, cette table à 39 euros et ces veilleuses lumineuses à 17 euros. Alors, la vraie petite nouveauté, le linéaire ardoise, ça coûte 60 euros les 2 mètres. Et c'est génial parce que ça donne de la personnalité et puis ça permet une chambre ludique. C'est génial. C'est ça. Super. Hein. Ah oui, j'aime beaucoup. Franchement, les enfants, là, c'est vraiment leur univers. Eh hey. Beau boulot, patron. C'est vrai que le fait de plaquer ses portes, ensuite les repeindre, on a une porte neuve à moindre frais. Changement spectaculaire dans la salle d'eau qui était en très mauvais état. Ah oui! Avant de décorer, on a surtout réparé du sol au plafond, les joints, le bac qui fuyait. La seule chose qu'on a conservée en l'état, c'est le meuble vasque. Et ensuite, j'ai investi dans une nouvelle paroi de douche qui coûte 209 euros et qui a beaucoup de personnalité parce qu'elle imite un peu les verrières Esprit Atelier. Ouais, c'est très très joli. Emmanuel a aussi acheté ce miroir à 49 euros et cette patère à 9 euros. Et ici aussi, on a un vinyle aspect terrazzo, comme dans la chambre d'à côté. C'est vraiment un motif qui est redevenu très à la mode. C'est très très joli. Ça vous plaît? Ah ouais. Ça plaît beaucoup. Dans la cuisine, Emmanuel a terminé le travail de homestaging entamé par Aurélie. Des rangements comme ça, ça change. On a tout conservé, c'est votre plan de travail, c'est vos meubles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a résiné la crédence pour la moderniser. On a posé le même sol que l'on retrouve dans la salle à manger. Le cellier, lui, a fait complètement peau neuve. Les murs et le plafond ont été repeints dans la même couleur, vert céladon. Et ensuite, j'ai acheté des étagères du commerce assez basiques. J'en ai eu pour moins de 200 euros et j'ai fait tout mon rangement. On a optimisé jusqu'au plafond. J'avais peur le vert, mais non, en fait, c'est... Non, c'est doux, c'est... Ouais. Petit changement, petits travaux, petites dépenses, grands effets. Pour réparer et redonner de beaux volumes et du style à cet appartement, Emmanuel a dépensé au total 9 400 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très joli. Vous êtes confiant? Pour la vente? Oui, oui. Tu t'es encore surpassé. Non, on peut lui dire. Merci. Ah oui, oui, c'est adorable. C'est magnifique. Merci Emmanuel. Merci. Merci à vous, ça me fait très plaisir. Nous, on a déjà fixé le prix. On essaye 175 000 euros. On regardera si on a une offre. Et sinon, on l'ajustera. On sait qu'il y a une urgence, on sait qu'il y a les chats qui vous mentent, on sait que toi, t'es muté professionnellement, on a déjà la maison là-bas qu'on loue, donc financièrement, c'est compliqué. Donc il faut être rapide, efficace. Bon, ben on y va. Allez, on y va. Allez, oh ma barbiche. Allez, on y va. Topaz. Dans cet appartement, Emmanuel a cumulé les bonnes astuces. Si vous avez été séduit par la mise en valeur du coin cellier, ses conseils pourraient bien vous donner de bonnes idées. Les pièces de rangement ouvertes, c'est plus pratique au quotidien. Mais à partir du moment où ces espaces sont visibles, il faut soigner la décoration. Voici quelques astuces. Tout d'abord, la boîte colorée.
C'est l'astuce la plus facile et la moins coûteuse. C'est le principe de ce que j'ai réalisé pour le cellier de Aurélie et Alexis. Une jolie couleur répétée sur chaque mur et même au plafond. Ça fonctionne aussi pour du papier peint. Autre idée, un mur de carreaux. C'est l'idéal dans une buanderie car facile pour l'entretien. Le carrelage permet aussi par son immense choix de décor d'apporter du style à une pièce technique. N'hésitez donc pas à carreler de bas en haut. Troisième astuce, par exemple pour un dressing ouvert, fondez-le avec le reste de la chambre en choisissant une teinte forte pour lier l'ensemble ou alors jouer les contrastes. Et pourquoi ne pas transformer un recoin inutile en cave à vin ou cabinet de curiosité? Dans ce cas, fermez avec une porte vitrée et soignez l'éclairage avec une ambiance tamisée. J'espère que ces conseils sauront vous inspirer à vous de jouer. Things are gonna change, not for better. Après la publication de l'annonce immobilière, Stéphane a reçu de nombreux appels, étudié les dossiers et fait le tri des acheteurs potentiels. Ah, c'est ouvert. Salut, c'est... Bonjour. Bonjour. On s'embrasse, comment tu vas? Trois semaines plus tard, il revient à Hyères où il retrouve Aurélie et le chaton qu'il a adopté et qui a bien grandi. Oui. Mais elle s'enfuit. Topaz. Bien ma chérie. Mais elle est déjà très grosse, hein? Bah c'est un Maine Coon, tu t'attendais à quoi? Bah alors... Viens, viens Topaz. Viens, viens, viens voir papa. Viens. Et elle est propre? Oui, bah depuis longtemps. Et les canapés? Ça va. Elle les touche pas? Non, c'est un arbre à chat. Ah non, j'ai pas d'arbre à chat. Ah bah alors ton canapé, tu l'oublies? Il faut que j'achète un arbre à chat. Bah oui, sinon elle fait ses griffes où? Alexis, lui, est déjà à Dijon, où il a été muté. Mais le sujet crucial du jour, c'est la vente de l'appartement. Aurélie souhaite rejoindre Alexis, déjà installé à Dijon, dans leur nouvelle location. Alors, comment tu te sens, toi? Ça va un peu stressé. Pourquoi t'es stressé? Moi, j'ai le crédit d'ici, le loyer de là-bas, donc deux logements à assumer, c'est un peu compliqué. Il se passe quoi si je vends pas? T'as pas Topaz. Ah oui, on en est au chantage. Ah bah oui, hein. Alors, bonne nouvelle, j'ai 5 visites, 2 filmées, 3 non filmées. Donc ça veut dire que... peut-être que ce soir, on aura une bonne nouvelle. J'espère. Moi, en tout cas, je suis confiant. Et puis, en plus, je suis très motivé. Ah bah, tant mieux alors. C'est sur cette note d'optimisme qu'Aurélie et Stéphane accueillent les visiteurs. Un couple qui souhaite acheter un bien pour ensuite le mettre en location. Ce qui nous a plu donc, dans l'annonce, c'est la superficie donc, de l'appartement. La proximité par rapport à notre résidence principale qui est à quelques mètres d'ici. Et ainsi que la gare. Et une femme seule, mère de 2 ados. J'habite Hyères actuellement et je voulais rester dans le coin. Et puis c'est plus grand que ce que j'ai actuellement, donc moi ça m'intéresse. Bonjour Monsieur Plaza. Comment ça va? Ça va et vous? Vous avez peur des chats ou pas? Non, ça va. Bon, parce que j'ai mon futur chat qui est ici, si je vends. Hein. Donc salon, salle à manger. Ah oui, effectivement, c'est joli. C'est une belle surprise, là. C'est, ouais, c'est une pièce très agréable. C'est très agréable, oui. Qu'est-ce que vous en pensez du sol? Non, c'est très joli, très pratique, surtout pour l'entretien. C'est... Et puis la séparation avec le parquet. C'est en harmonie, oui. C'est vraiment joli, oui. Oh, regardez ma petite chatte qui va. Cuisine. Alors, allez-y. Regardez, pour un investissement, c'est parfait, puisqu'elle est équipée et aménagée. Tout reste, hein. Ah oui, le sépia, il est vraiment de compète, hein. Ouais, avec des étagères et tout. Oui. C'est pas mal. Première chambre, mètres carrés. 11 mètres carrés. 11 mètres carrés. Ah, plus grand que chez moi déjà. Alors, je vois pas de radiateur, c'est chauffage au sol ici? Tout à fait. D'accord. Au sol. Très bien. Deuxième chambre. Ah, super. Pas mal. Très joli. Non, j'adore la décoration. Magnifique. C'est vrai? Oui. Même le papier peint là, qui est quand même bien marqué, hein? Non, non, mais j'adore. Non. Oh, regardez, allez-y, vous allez vous fondre dans le papier peint. Ah, tu me fondes dans le papier peint. On va plus la voir. Regardez. Eh ben, hey, vous êtes pas mal, hein. Nickel. Hein, hein. Ce qui m'a plu dans cet appartement, c'est la luminosité. La décoration, vraiment au goût du jour. Et une belle surprise sur les espaces de vie. Avec quelques bémols concernant, effectivement, la salle de bain. Qu'il n'y ait pas de baignoire, c'est aussi pour de jeunes familles, ça peut être un point faible. Dans cet appartement, tout me plaît, à part la cuisine qui est un peu petite. Mais il y a un critère très important qu'il n'y a pas, c'est un balcon.
Aurélie espère vendre son appartement 175 000 euros pour assainir sa situation financière. Elle ne peut plus cumuler son emprunt ici et sa nouvelle location à Dijon. Toi, t'es déjà partie. Oui. On a quand même une urgence financière, parce que ça te fait des frais en plus. T'as quand même maintenant un appart et une maison à payer. Tout à fait. Alors, on a eu aujourd'hui 5 visites. 2 visites filmées, 3 visites non filmées. Je vais commencer par les visites filmées. Alors, c'est toujours compliqué à un couple d'investisseurs, parce que oui, la déco a plu, mais c'est vrai que on a quand même enlevé une chambre. Mmh. Et pour un couple d'investisseurs, avoir une chambre en moins, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. Ouais. En tout cas, il ne donne pas suite pour l'instant. Pour la femme toute seule, elle a beaucoup aimé, mais elle ne se positionne pas. Donc, on va dire que pour l'instant, on est chou blanc. Oui. Avant de revenir sur les 3 autres visites non filmées, Stéphane souhaite faire un point sur le contexte immobilier qui s'est tendu en seulement quelques mois. On sait très bien qu'actuellement, les crédits sont plus difficiles, que les taux remontent et que les banques prêtent moins. Oui. Dans cette résidence, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'appartements à vendre, donc on a une forte concurrence. Je suppose que tu es déjà au courant. Tout à fait. Il est vrai que je t'ai présenté un appartement il y a 7 mois qui s'est vendu à 171 000 euros. Mais depuis ces 7 mois, un ravalement s'est inscrit dans le PV d'assemblée. Ça veut dire que dans 2 ou 3 ans, l'acheteur de cet appartement va payer un ravalement. Et apparemment, ça s'annonce un peu costaud. Oui. Moi, si j'ai bonne mémoire, tu m'as dit quand on s'est rencontrés, au-dessus de 160 000 euros, je serai heureuse. Tout à fait. Alors, là, j'ai une offre sans condition suspensive, avec un paiement cash à 168 000 euros net vendeur dans ta poche. Qu'est-ce qu'on fait? J'accepte. Ah, t'es contente? Oui. C'est vrai? Ouais. J'avais un peu peur. Hein, Non, c'est déjà très très bien, oui, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. C'est vrai que le marché a pas mal baissé. Je prends conscience que ça rajoute aussi une charge pour le futur acheteur. Donc on ne peut pas demander autant. Je prends mon stylo. Tu prends ton stylo. Tu sais bien que si tu signes là, tu peux dire au revoir à ta chatte. Bien sûr. Aurélie va pouvoir définitivement quitter Hyères et la région parisienne et Stéphane câliner à loisir son nouveau bébé. Topaz. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? C'est l'aspirateur. Alors, c'est de l'allemand, non? C'est ça. Donc, si on a 82 carrés, Merde, si on a 82 mètres carrés. Mais t'aurais pu mettre un rouge, comme les chiens. Oh non, jamais. Jamais de rouge. Jamais du noir. C'est le code couleur de la boucherie. Non, c'est très violent. Oui, c'est la boucherie, la corrida. Et le rouge excite. Associé au noir, ça excite. Ça excite le rouge. Si tu pouvais enlever ta perruque, on y va. Ouais. Oh. Bah, c'est un peu facile d'être sérieux. Oh. Je revis. Non, finalement, remets-la, c'était mieux. Ah. Je l'aime moins d'un seul coup. Donc, pardon, pour bien comprendre, t'as fait donc 2 couches. Donc, ça veut dire que c'est un meuble qui ne ressemble à aucun autre. Aucun autre. Ah, oui. Il faut le dire. Tout ce qui est unique et rare, regarde-moi. Oui. Tu ressembles à aucun autre, ça. Ouais. Et puis alors, on a les 2 couches. Hein. Ça. Tu te tais. Dans question. Da. Ya. Da question. J'étais prêt, hein. Les chats font comme ça. C'est un chat constipé. Ah non, je trouve que c'est pas les chats, quoi. C'est tout ce qui... Non, c'est comme ça. Il est pas prêt, hein. Alors, après, je vais où? Oh, j'en peux plus. Alors, je vais là. Allez, j'en peux plus.